Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Mesdames et messieurs, je déclare la séance ouverte qui démarre exceptionnellement à 14 heures. Compte tenu de l'ordre du jour qui est particulièrement chargé, nous allons, en saluant la présence dans les tribunes de M. Hubert Brun, président de l'Amicale des anciens conseillers, et de Claude Vignon, trésorier adjoint de l'Amicale, respectant ainsi la volonté qui est la leur d'être toujours présent. Je voudrais aussi saluer au banc du gouvernement M. Dominique Overlo, qui est le chef du département développement durable de France Stratégie, mais aussi M. Pierre Audibert, qui est le secrétaire général du Conseil national de l'information statistique, et puis de saluer aussi toutes les personnes de la commission de concertation qui, dans les 6 premiers mois de l'année, ont beaucoup travaillé, dont je vous prie de bien vouloir m'excuser peut-être de la rapidité avec laquelle et de la brièveté avec laquelle on les a informés de cette séance, mais bien évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer que la décision a été prise il y a relativement peu de temps, de remercier aussi toute l'administration, Mme Carla Salegliati, et de saluer un travail constant depuis maintenant plus de 10 ans par le Conseil économique social sur les problématiques des indicateurs, de nous réjouir aussi de la collaboration avec France Stratégie, qui a permis de proposer au gouvernement des indicateurs qui ont été assis aussi par une démocratie citoyenne qu'il convient de saluer. Et sans plus tarder, je vais inviter votre rapporteur, M. Philippe Leclésio, à bien vouloir vous indiquer le tableau de bord d'indicateurs complémentaires au produit intérieur brut qui ont été retenus par le gouvernement en application de la loi du 13 avril 2015 qui visait la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Et ce matin au bureau, nous avons aussi sollicité M. Leclésio pour qu'il puisse, si cela est possible, nous indiquer les raisons pour lesquelles certains indicateurs ont été retenus, les débats qui ont entouré certains choix et les raisons pour lesquelles d'autres indicateurs ne l'ont pas été retenus. La parole est au rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général du CNIS, Monsieur le Chef du Département Développement Durable de France Stratégie, chers collègues, Mesdames et Messieurs, tout vient donc à point pour qui sait attendre. J'ai longtemps craint de ne pouvoir vous présenter aujourd'hui l'aboutissement du travail de concertation mené depuis le début de l'année avec France Stratégie, avec le concours du CNIS et avec l'appui de l'INSEE, dans le but d'établir une proposition de tableau de bord d'indicateurs complémentaires du PIB. Mais ça y est, ce matin, avec tout de même 3 semaines de retard, le gouvernement est en mesure de fournir au Parlement le rapport exigé par la loi SAS commentant l'évolution de ces indicateurs. Au nombre de 10, comme nous l'avions souhaité, et dénommés désormais les nouveaux indicateurs de richesse, ils sont largement inspirés des travaux de la commission de concertation et de la résolution adoptée en assemblée plénière en juin dernier, avec néanmoins quelques différences. Je précise que le rapport du gouvernement qui commente l'évolution de ces indicateurs sera disponible sur le site du CESE dès cet après-midi. Je dois l'avoir là, voilà. Ça fait une quarantaine de pages. Il contient en outre une partie évaluation de quelques politiques telles que le CICE ou le plan très haut débit qui renseignent sur l'impact de ces politiques sur les indicateurs qui ont été retenus. Le tableau de bord donc, d'indicateurs complémentaires du PIB qui a été présenté ce matin comporte donc bien 10 indicateurs. Sur les 10 thèmes retenus par le CESE et France Stratégie, le gouvernement en a retenu 9. Il explique son choix par l'importance qu'il accorde au thème des inégalités et de la pauvreté qui le conduit à retenir 2 indicateurs pour ce même thème. J'y reviendrai plus précisément. En conséquence, pour limiter le nombre d'indicateurs à 10, il a supprimé un des autres thèmes, la gestion des ressources, et l'indicateur proposé pour l'illustrer qui allait avec. Au total, 5 indicateurs sont rigoureusement identiques à ceux proposés par le CESE et France Stratégie. Un indicateur, celui des inégalités, respecte l'esprit de la proposition. 3 indicateurs figuraient parmi les indicateurs complémentaires et ont été préférés à l'indicateur phare proposé. Et un n'a pas été retenu par le gouvernement du fait du retrait d'un thème. Je
précise tout de même que les trois indicateurs complémentaires retenus par le gouvernement à la place des indicateurs proposés à l'issue de la concertation étaient des indicateurs que beaucoup de participants souhaitaient voir figurer comme indicateurs phares. Les indicateurs phares non retenus sont néanmoins mentionnés dans les fiches du rapport adressées au Parlement. Au total, on peut donc dire que le tableau de bord du gouvernement s'inspire très largement des propositions issues de la concertation, même si, je le sais, certains d'entre vous seront mécontents de constater l'absence dans le tableau de bord de l'indicateur qu'ils promouvaient. On va donc passer en revue ces indicateurs. D'abord, le thème inégalité de revenus. Alors, vous voyez sur la partie gauche à chaque fois quelle était la proposition du CESE et de France Stratégie et quel est le choix du gouvernement. Le choix du gouvernement sur cet indicateur, sur ce thème plutôt, reflète l'esprit de la concertation et l'ajout du taux de pauvreté en conditions de vie satisfera certainement de nombreuses associations qu'il privilégiait à l'indicateur d'inégalité. Il est tout de même cependant un peu inexplicable que le gouvernement ait retenu le rapport de la masse des 20% de revenus les plus élevés sur les 20% de revenus les plus faibles, alors que les données concernant les 10% les plus élevés et les 10% les plus faibles sont disponibles en même temps en France et au niveau européen. 10%, c'était ce qui avait été retenu par la concertation. D'autant plus inexplicable que si le choix du gouvernement est bien de réduire les inégalités de revenus, ce que j'avais cru comprendre, l'évolution de l'indicateur que nous proposions est plus significative que celle de l'indicateur retenu en définitive. Vous voyez ici, je le dirai en conclusion, je pense qu'on pourrait améliorer la lisibilité des graphiques dans une prochaine version. Le thème éducation, alors le thème pauvreté qui a donc été rajouté, et vous voyez l'évolution de ces indicateurs. Vous aurez le diaporama, où vous l'avez déjà, il était sur la table tout à l'heure. Ce sera peut-être plus lisible qu'à l'écran. Le thème éducation, le gouvernement a retenu l'indicateur des sorties précoces du système scolaire. C'était en fait ce que souhaitait très largement la commission de concertation et la plupart des personnes interrogées lors de la consultation citoyenne. Nous ne l'avions écarté que pour une raison technique, une rupture de série en 2013 et en 2014, liée à l'évolution du questionnaire de l'enquête. Le gouvernement a considéré que ce tableau de bord devait s'inscrire dans la durée et que les évolutions de l'indicateur deviendraient signifiantes au fil des années. Dont acte, le taux de diplômés est néanmoins commenté dans la fiche du rapport. Sur l'emploi, pas de commentaires, si ce n'est que les graphiques intègrent les données d'indicateurs complémentaires, ce dont on ne peut que se féliciter. Tout en regrettant, et je pense que beaucoup vont le regretter, que la représentation graphique choisie pour l'emploi n'ait pas permis de faire apparaître la part du sous-emploi et du chômage dans la population active. Ça viendra peut-être. Le thème suivant est celui de la gestion des ressources, donc qui disparaît du tableau de bord. L'indicateur qui va avec, qui était le taux de recyclage des déchets, disparaît également. Je ne peux que le déplorer avec vous, même si l'évolution de l'indicateur que nous avions proposé est commentée dans la fiche empreinte carbone du rapport au Parlement. Évidemment, c'est moins important que si on avait retenu le thème en lui-même, mais c'est la contrepartie qu'a choisi le gouvernement à l'ajout du thème pauvreté dans le... J'ai sauté santé. Ah. Non. Si. Non. Bon, on y reviendra. Donc, ensuite, gestion des ressources. Après, nous devons avoir climat-énergie. Là, pas de commentaires. Au sein de la commission de concertation, il n'y a même pas eu de débat. L'empreinte carbone a bien été retenue par le gouvernement avec le complément que je viens d'indiquer sur le taux de recyclage des déchets qui est commenté dans le rapport.
Sur la biodiversité, je sais que certains ne vont pas apprécier qu'il s'agisse de la commission de concertation ou de la consultation citoyenne, il ne s'est pas dégagé de franche majorité en faveur d'un des deux indicateurs pressentis pour illustrer le thème biodiversité, l'indice d'abondance des oiseaux et les taux d'utilisation des sols. Nous avions proposé les oiseaux, le gouvernement a retenu l'artificialisation, il faudra donc faire avec. Désolé. Le thème investissement. Alors, dans ce cas précis, c'était France Stratégie et surtout, je crois, son commissaire qui tenait beaucoup à l'indicateur proposé des actifs physiques et incorporels. Leur insistance avait conduit à le retenir. Je crois que le choix du gouvernement de retenir l'effort de recherche et développement ne fera pas vraiment de mécontents parmi les membres de la commission de concertation, ni du CESE d'ailleurs, d'autant que l'évolution du patrimoine est commentée dans la fiche endettement. Les deux thèmes suivants sont celui de la santé et de l'endettement. Alors, la santé était passée devant ? Ah, pardon. Donc, le thème de la santé, le voici. Je ne vais pas faire de commentaires particuliers. Les deux indicateurs retenus sont bien les indicateurs proposés. Je vais vous laisser découvrir les graphiques correspondants. Santé, éducation, santé. Donc, à l'espérance de vie en bonne santé à la naissance qui avait été retenue par la commission de concertation, s'est ajoutée l'espérance de vie à la naissance qui était parmi les indicateurs complémentaires. Le graphique que vous allez voir permet de représenter facilement les deux et de comparer d'ailleurs les deux, ce qui n'est pas inintéressant. Et donc, le dernier thème, c'est celui de l'endettement. Où nous avions souhaité que l'endettement de tous les secteurs puisse être présenté, à la fois la dette publique, mais aussi l'endettement des ménages et l'endettement des entreprises. Il reste le thème du bien-être et du vivre ensemble, qui repose sur une enquête européenne. On avait le choix entre l'enquête de Gallup pour l'OCDE et l'enquête Silk, d'Eurostat, le gouvernement a choisi l'enquête SILC, c'est bien l'indicateur qui avait été retenu également par la Commission. Pour conclure, je l'ai dit souvent, il pourrait y avoir autant de tableaux de bord qu'il y a de personnes dans cette salle. Alors si on l'apprécie en fonction des indicateurs qui ne s'y trouvent pas, celui retenu par le gouvernement peut mécontenter tout le monde. Mais je ne vous ferai pas ce mauvais procès. Au moment d'achever ce second mandat et donc de vous quitter, à regret, et avec une certaine tristesse, je sais trop l'attachement des membres du Conseil à la recherche du consensus et leur capacité à dépasser les insatisfactions pour défendre les compromis trouvés. Ce tableau de bord n'est pas parfait, mais nous avons réussi ce que beaucoup pensaient impossible, établir ensemble une proposition d'un nombre réduit d'indicateurs complémentaires du PIB, une proposition largement reprise par le gouvernement, qui, en figurant dans un rapport au Parlement joint à la loi de finances, acquiert une dimension officielle. Non, il n'est pas parfait. Il faudra d'abord et impérativement améliorer l'actualité des indicateurs et faire en sorte que la statistique publique ait les moyens d'y parvenir. Il faudra décliner, quand cela a du sens, ces indicateurs au niveau régional. Sur ce plan, je crois savoir que le Commissariat général à l'égalité des territoires en a bien l'intention. Et il faudra sans doute aussi améliorer les représentations graphiques, être plus rigoureux et systématique dans le choix des comparaisons internationales. Il n'est pas parfait, mais il existe. À nous maintenant de le faire vivre dans nos organisations et au Conseil. Le Premier ministre nous y invite dans son introduction au rapport au Parlement, en indiquant que le CESE pourrait en particulier rendre chaque année un avis complémentaire aux analyses qui s'y trouvent. N'y a-t-il pas là matière à refonder le rapport sur l'état de la France et en faire l'outil privilégié de notre Assemblée pour évaluer le progrès de notre société, non plus seulement à l'aune du PIB et de la croissance économique, mais enfin dans toutes ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Je vous remercie.
Merci, monsieur le rapporteur. Ce matin, d'ailleurs, au bureau, après votre exposé, le bureau a souhaité effectivement suivre vos recommandations pour accepter la proposition du Premier ministre de faire un suivi chaque année et de faire évoluer le rapport sur l'état de la France en ayant des commentaires par rapport à l'évolution des indicateurs dont je vous indiquais ce matin que vos travaux étaient très attendus par beaucoup de conseils économiques sociaux nationaux et par beaucoup de conseils économiques dans différents pays du monde. Y a-t-il une demande d'explication ou pas ? Parce que rien n'indique effectivement que par rapport au choix, notamment des 20%, il n'y a pas des commentaires particuliers dans le rapport sur l'état de la France du CESE. En tout cas, je crois qu'on peut tous les uns et les autres, au moment où Philippe termine son mandat, le remercier pour son investissement et l'investissement de toutes celles et ceux qui, autour de lui, avec France Stratégie, ont travaillé de façon ouverte, transparente, sur ce tableau d'indicateurs. Est-ce que monsieur Auverlo ou monsieur Audibert souhaite faire un commentaire? D'accord. La parole est à monsieur Auverlo. Ah, vous avez l'autre micro. Non, vous l'avez aussi, ça va, tout va bien. Merci monsieur le président, bonjour à tous. Mon propos sera très court. Je crois qu'au nom de France Stratégie, il m'appartient de féliciter et de remercier Philippe Le Clézio qui, en tant que rapporteur, a effectivement réalisé un travail qui n'était pas facile, puisqu'il est arrivé à un rapport qui a retenu un certain nombre d'indicateurs qui, malgré ses commentaires, ont été très largement repris par le gouvernement. Donc, bravo à lui. Merci à tous les membres du CESE qui nous ont accompagnés dans cette démarche et merci véritablement pour ce travail très intéressant. Je crois que la suite nous appartient à tous, puisqu'il serait dommage que ce rapport reste dans les tiroirs. Je crois que l'important maintenant est d'essayer de discuter de ces indicateurs et d'essayer de les évoquer en complément des fois où le chiffre du PIB sera évoqué tout seul. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Auverlo. Monsieur Libert, vous souhaitez dire un mot ? Juste un petit mot pour remercier également le travail qui a été fait et dire que du point de vue de la diffusion et de la publicité de ce tableau de bord, nous allons à la prochaine commission du CNIS environnement développement durable proposer une présentation des indicateurs qui ont été retenus pour qu'on puisse se les approprier et éventuellement les discuter tout en sachant bien entendu qu'ils sont définitifs. Merci, monsieur Audibert. Merci, monsieur Verlo. Et je voudrais dire à monsieur Le Clézio qu'effectivement, on peut toujours regretter, mais il faut savoir que vous partiez de quelque chose d'impossible et vous l'avez réalisé. Et donc, bravo à tous. Merci, OCNIS. Merci. Voilà. Pardon ? Ici, j'ai fait. Bien. Oui, allez-y, je vous en prie. La parole est à monsieur Le Clézio. Non, je voulais vous rassurer, je ne regrette absolument rien, au contraire. Et effectivement, je vais quitter le CES sur une note qui fait bien plaisir. Mais je vous imagine d'ailleurs, avec l'enthousiasme qui est le vôtre de garder vos petits-enfants, de leur apprendre à commenter les indicateurs de croissance. Et je pense que pédagogiquement, ça leur fera un bien fou. Vous savez que certains croient que je suis en congé, mais là, j'arrive de les garder, j'y retourne ce soir. Oui, c'est pour ça que vous voyez sur l'air épanoui, d'ailleurs. Merci en tout cas à Philippe et à toute l'équipe. Nous allons passer maintenant à l'ordre du jour suivant. C'est une étude qui est présentée au nom de la délégation à la prospective et à l'évaluation des services des politiques publiques présidée par M. Jean-Paul Bailly. À l'étude qui est présentée par M. Alain Ferretti et qui a pour titre « Les territoires face aux catastrophes naturelles, quels outils pour prévenir les risques ?» Deuxième sujet en plein dans l'actualité. La parole est à M. Alain Ferretti. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente de la délégation, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Les catastrophes naturelles ne sont pas un phénomène récent. Pour autant, elles semblent s'intensifier au cours des dernières décennies.
Preuve en est, les événements qui ont frappé le littoral de la Côte d'Azur au début du mois d'octobre, meurtriers. Si les risques naturels sont aujourd'hui mieux connus, étudiés, cartographiés, tant à l'échelle nationale que mondiale, ces événements récents nous conduisent toutefois à s'interroger sur leurs causes multifactorielles, urbanisation non maîtrisée, artificialisation excessive des sols, changement climatique qui aggrave certains phénomènes météorologiques, manque d'appropriation de la culture du risque par la population, faiblesse de la coordination de certains outils de prévention. Par cette étude, le Conseil économique, social et environnemental tourne les projecteurs sur des phénomènes loin d'être négligeables pour toute la population française. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% des communes, 20 000, une partie importante de notre territoire sont exposées à un ou plusieurs risques. Inondations, retrait et gonflement d'argile, submersion marine, éruption volcanique, incendie de forêt, etc. Cette étude dresse un panorama des outils qui existent, des événements, et essaie d'approcher une façon de mieux prévenir ces risques, les gérer et en indemniser les dommages, avec quelques pistes d'action. Alors, il y a un certain nombre de diapositives pour expliquer un petit peu, parce que c'est assez complexe. Donc, nous avons là la présentation des risques naturels et l'évolution de ce qu'on appelle les aléas, c'est-à-dire ce qu'on constate sur un territoire comme catastrophe pouvant arriver. Nous avons les facteurs terrestres, avec les mouvements de terrain, les séismes, les avalanches, les éruptions volcaniques, les facteurs climatiques, les inondations, les phénomènes liés à l'atmosphère et au vent, les cyclones, la neige, la foudre, etc. Nous avons les facteurs anthropiques, c'est-à-dire ceux qui sont directement dépendants de la main de l'homme, qui sont la destruction des couverts végétaux, l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols, l'urbanisation intensive, et enfin nous avons l'impact du changement climatique, retrait gonflement d'argile, un phénomène peu connu, les inondations, les submersions marines et l'érosion côtière, les feux de forêt, les tempêtes et phénomènes liés au vent, et les vagues de chaleur et de sécheresse. Alors vous avez là, en gros, les patates de vocabulaire, les aléas, la notion d'enjeu, la notion de vulnérabilité d'un territoire ou son exposition, et puis la résilience, qui sont les outils permettant de s'adapter après une catastrophe, et la mitigation, qui sont les formes adaptées pour qu'on puisse absorber des catastrophes naturelles en mettant des moyens adaptés. Alors, c'est plus facile de lire la diapositive suivante. Voilà. Alors là, on a, première image, un phénomène, ce qu'on appelle Cévenol, mais qui arrive de plus en plus sur la Côte d'Azur, qui s'appelle un aléa, c'est-à-dire on sait qu'il y a de l'eau, il y a de la montagne, il y a des phénomènes qui vont apporter des ruissellements importants. Ça s'appelle l'aléa. Et à côté, on a ce qu'on appelle les enjeux. C'est-à-dire qu'on voit finalement que ce lieu est bâti, il dispose d'un port de plaisance, d'activités économiques, touristiques, d'habitations, et c'est là qu'évidemment on peut mesurer le risque, c'est la troisième, et c'est ce qui compose la nécessité d'avancer sur des questions de prévention. Nous avons, pour illustrer les phénomènes, la cartographie du nombre de catastrophes naturelles en France et de victimes. Donc on voit bien, par exemple, sur les inondations, que finalement il y a eu 70 inondations provoquant 647 morts, mais qu'on voit à l'autre extrême deux éruptions volcaniques qui ont provoqué 29 000 morts, ce qui illustre qu'effectivement, ce n'est pas la fréquence des phénomènes qui provoque un nombre de morts très important. Pour l'anecdote, effectivement, il y avait eu donc un refus d'un gouverneur
d'évacuer les populations parce qu'il y avait une élection législative au deuxième tour. Les gens sont restés sur place, les bâtons ont accosté et ça a été un drame notamment humain. Alors, plusieurs facteurs expliquent l'augmentation des dommages et le nombre de catastrophes recensées dans notre pays. Premièrement, un facteur démographique, c'est-à-dire multiplication de la population par deux ou trois durant les 60 dernières années. Le phénomène d'urbanisation qui tend à concentrer tous les enjeux en densifiant considérablement les agglomérations. Et on remarque qu'effectivement, ce sont toujours les mêmes territoires sur lesquels il y a attractivité économique, touristique et autres, et donc qui sont les plus exposés, finalement, par exemple, les bandes côtières. Et on a également, du coup, l'évolution de la vulnérabilité des personnes et des biens, beaucoup plus de construction, beaucoup plus de réseaux, et donc une fragilité qui s'accentue. Concernant le sentiment d'exposition et la conscience du risque, alors je rappelle, 60% de nos communes sont exposées à un ou plusieurs risques, 16% d'entre elles sont fortement exposées à un risque qui peut augmenter avec le changement climatique, et on s'aperçoit finalement qu'il y a peu de conscience du risque et de culture du risque dans notre pays, et ce sont les lieux, évidemment, quand on voit le Var, notamment, ou les Alpes-Maritimes, où finalement ce sont toujours les mêmes lieux, les mêmes familles, les mêmes habitations qui sont atteintes, évidemment que la conscience du risque est très, très, très aiguë. Pour autant, si on parle de la crue centennale de la Seine, par exemple, eh bien on a toujours l'impression que ça n'arrivera jamais, que finalement ça arrive chez les autres et pas forcément à nous. Et là, il y a énormément de travail pour évoluer. Ici, nous avons sur la diapositive suivante, vous voyez l'évolution des catastrophes. Alors, jusqu'à peu près au niveau du triangle orange, on part de 1910 à 1980. On a peu de catastrophes. Et on voit une concentration, à partir des années 80, du nombre de catastrophes liées aux inondations. Donc, 70 ans, il y en a eu 7. Et en 35 ans, 15. Et il n'y a pas les dernières dans le schéma qui est présenté. Ça montre bien quand même qu'il y a une accélération, une récurrence de plus en plus importante. Nous avons également auditionné le responsable de la prévention des risques du ministère qui nous a présenté les 7 axes de la politique publique. On revient là, merci. Les 7 axes de la politique publique de prévention des risques. Donc, amélioration de la connaissance du risque, avec la compréhension et la caractérisation des phénomènes naturels, l'information et le développement de la culture du risque par la sensibilisation des populations, la prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire pour réduire la vulnérabilité des zones exposées, et en particulier dans les territoires ultramarins, la surveillance et le suivi des aléas, avec des dispositifs comme Vigicru, par exemple, ou des systèmes d'alerte au tsunami, qui sont assez nouveaux. Nous avons la prise en compte de mesures de mitigation, c'est-à-dire des travaux qui permettent d'adapter le territoire aux risques qu'il traverse. La gestion des crises et l'accompagnement du retour à la normale. Et puis, systématiquement après une catastrophe, on effectue un retour d'expérience qui permet effectivement de tirer des enseignements d'une catastrophe qui vient de survenir dans notre territoire. Donc, on revient sur la politique publique de prévention des risques. Alors, les plans de prévention des risques naturels n'ont que 20 ans dans notre pays, et la politique publique de prévention des risques date du début des années 80, donc on a un peu de recul, mais ce n'est pas encore ancré. C'est pour ça qu'il y a deux niveaux dans la prévention des risques, la gestion des risques du passé, de l'héritage, et puis la gestion des risques du futur. Donc on a plus de 20 000 communes concernées par un ou plusieurs risques. Aujourd'hui, la moitié à peu près sont dotées d'un plan de prévention des risques naturels.
Des plans de submersion marine ont été mis en place suite à la tempête Xynthia et aux inondations du Var en 2010. Et on a mis en place un contrôle et la sécurité de 7616 barrages et 9000 km de digues, dont à peu près 1600 sont des digues orphelines, c'est-à-dire elles n'ont pas de propriétaire, ne sont pas entretenues et sont dans des zones à risque. Et ensuite, il y a eu également une avancée, ça a été la généralisation de l'information des acquéreurs et des locataires sur l'ensemble des communes qui disposent d'un plan de prévention des risques qui sont relayés notamment par les notaires. On revoit en schéma, parce que c'est vrai que c'est assez complexe, hein, les outils et les dispositifs, un récapitulatif avec beaucoup de sigles, très jargonneux, de l'ensemble des outils qui sont mis à la disposition, tant au niveau national qu'au niveau local. Ensuite, on s'est penché sur la question de l'indemnisation et des dommages. Alors, c'est vrai quand même qu'on a une couverture parmi les meilleures au monde. 99% de la population métropole, 52% dans nos départements ultramarins. Et on a plusieurs types d'outils, de systèmes d'assurance privés et le système qu'on appelle CatNat, catastrophe naturelle, qui en fait est un prélèvement aussi sur les contrats d'assurance et qui permet d'alimenter un fonds sur les risques non assurables, hein, inondations, séismes, qui touchent concrètement les catastrophes naturelles. Nous avons eu également un fonds de solidarité de l'Union européenne, le FSUE, qui a été créé en 2002 en cas de catastrophe naturelle majeure, sachant qu'évidemment une tempête n'a pas de frontières. Donc c'était intéressant de pointer également qu'il y a un dispositif européen de solidarité. Concernant le financement de la prévention des risques, le fonds Barnier, CatNat, est doté de 200 millions d'euros par an, donc un prélèvement de 12% sur les contrats d'assurance, qui est passé de 5 d'ailleurs au début des années 80 à 12% aujourd'hui. Il a été modifié et élargi. Actuellement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, c'est les chiffres des assurances, 196 millions d'euros sont puisés chaque année, c'est-à-dire le fonds est juste à l'équilibre. Pour autant, pour l'avenir, effectivement, si le nombre de catastrophes devait augmenter, il faudrait revoir ce fonds. Concernant donc un tableau un petit peu difficile d'appréhension, mais en tout cas, ça montre le type de catastrophe indemnisée et surtout dans l'évolution annuelle du nombre de communes déclarées en état de catastrophe naturelle, eh bien, sachez que 5000 communes en moyenne en France sont déclarées en état de catastrophe naturelle chaque année, avec des pics, mais en gros, ça nous fait 5000, ce qui n'est pas négligeable. Pour le coup. Voilà. Fort de l'ensemble de ces constats, nous avons donc quelques pistes de réflexion guidées par la nécessité d'améliorer la prévention et la gestion des risques naturels. Alors, il est clair que nous avons un savoir-faire reconnu en matière de gestion des risques. C'est-à-dire une capacité de mobilisation, une capacité d'intervention qui nous est enviée, y compris au niveau mondial. Nous avons un niveau d'indemnisation satisfaisant, mais compte tenu du niveau de couverture, nous nous posons la question si, en parallèle, il n'est pas plutôt déresponsabilisant. Et puis, nous avons des outils préventifs suffisants, mais complexes, souvent contestée et source de tension. Je ne me suis pas trop arrêté sur les définitions, par exemple, mitigation, aléa, vulnérabilité, mais c'est vrai que lorsque ça arrive au niveau local, ben souvent, on a la haute technicité de l'État qui prescrit, mais pour, en parallèle, on n'a pas forcément toute la connaissance des éléments, du vocabulaire et du jargon concernant la gestion et la prévention des risques.
Alors, première série de pistes que la délégation souhaite mettre en lumière, réduire la vulnérabilité des entreprises organisées en réseau en assurant dès leur conception la redondance des dispositifs techniques indispensables à leur fonctionnement. Alors, évidemment qu'on voit bien que lorsqu'il y a une inondation, ça touche directement des habitations et des familles, mais ça touche aussi tous les réseaux. Par exemple, on peut avoir 10 habitations touchées, mais 60 000 personnes qui n'ont plus d'électricité. Ou si on prend Paris, par exemple, le réseau du métro est affecté en grande partie, ce qui nécessite effectivement qu'on réfléchisse à des doublons, par exemple dans les transformations électriques, pour permettre justement qu'on puisse remettre en service ou pénaliser le moins possible. Ensuite, souhaiterions pérenniser les financements pour gérer les risques hérités du passé. N'oublions pas que le fonds CatNat, catastrophe naturelle, est relativement récent et on a construit énormément depuis les années 50 et dans des zones qui sont en forte tension. Donc, pour nous, le fonds catastrophe naturelle qui alimente et la prévention et la réparation des dommages doit être mieux orienté pour savoir s'il doit financer exclusivement l'indemnisation des dommages ou un investissement utile dans la prévention des risques, ce qui n'est pas forcément intégré. Vous avez remarqué que les assurances indemnisent systématiquement les mêmes maisons au même endroit et quand il y a deux fois des catastrophes dans l'année, eh bien on indemnise sans forcément intégrer des nouveaux modèles qui permettent d'adapter effectivement, par exemple en R+1 ou sur les retraits gonflement d'argile, des micropieux, enfin des structures mieux assises et mieux protégées qui permettent l'évacuation. Également, on s'est posé la question, je l'ai dit tout à l'heure, sur les digues orphelines. Les digues orphelines, il y a donc 1600 kilomètres, mais également tous les abords des rives qui, pour l'agriculture, par exemple, avaient une utilité économique par le passé et qui, aujourd'hui, sont laissés à l'abandon et qui sont accélérateurs de difficultés. Ensuite, donc, sur la base du fonds de mutualisation européen, il nous est apparu intéressant qu'on puisse mutualiser les capitaux au niveau européen, dans l'esprit du fonds catastrophe naturelle, pour éviter de laisser des plus vulnérables sans protection, ce qui n'est pas inintéressant et ce que l'Europe a déjà amorcé. Ensuite, sensibiliser à la prévention et à la réalité des risques en responsabilisant les assurés. On parlait de la conscience du risque qui est très faible. Et il est vrai que, à la fois, le régime d'indemnisation extrêmement protecteur, même s'il y a les franchises qui sont cumulées, nécessite que, effectivement, on s'interroge sur l'assurance pour savoir s'il ne faudrait pas, par exemple, repérer des zones particulièrement à risque et moduler, par exemple, les cotisations. Un autre élément nous semble essentiel, c'est faire approuver un plan de prévention des risques naturels prescrit dans un délai raisonnable et interdire à titre conservatoire la délivrance d'un permis de construire pendant ce délai. Pourquoi ? Énormément de communes ont un plan prescrit et très peu l'approuvent. Suite aux événements de la tempête Xynthia, par exemple, en 2010, l'État avait donné à 305 communes jusqu'à 2014 pour élaborer des plans de prévention des risques. En 2014, rien. Donc l'État a déplacé les délais jusqu'à 2016. À ce jour, 4 communes sur les 305 ont signé un plan de prévention des risques. Entre-temps, on bâtit. Entre-temps, on risque des vies. Et ça nous paraît essentiel. Lorsque le plan n'est pas approuvé, partagé, eh bien, pas de permis de construire, pas d'autorisation de bâtir. Ça nous paraît simple pour tout le monde et compréhensible et accessible du plus petit niveau au plus haut niveau. Ensuite,
il faudrait investir plus exclusivement dans l'indemnisation des dommages, mais aussi dans des mesures d'adaptation, de mitigation des biens, notamment. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, ils l'ont fait, à New York, ils vont le faire, et on s'est aperçu en Allemagne que les communes qui avaient investi, par rapport aux autres qui n'avaient pas investi, avaient moins de catastrophes et moins de dégâts. On consacre plus d'un milliard d'euros par an aux catastrophes naturelles. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un débat sur les investissements utiles et la façon de protéger les zones existantes. Même si, en parallèle, le fonds catastrophe naturelle indemnise aussi les expropriations, mais à hauteur de 240 000 euros par habitation. Et compte tenu que ce sont des zones côtières qui sont les plus exposées aujourd'hui, les plus attractives, ça veut dire que la valeur d'un bâti, ce n'est pas 240 000 euros au bord des côtes méditerranéennes, à Cannes, Menton, etc., par rapport, ou aux côtes atlantiques, par rapport à d'autres territoires moins exposés. Sur la culture du risque, il est essentiel, évidemment, de développer les bonnes pratiques de façon la plus large possible. Dans les DOM, où il y a des risques très importants, dès l'école maternelle, on forme les élèves. Vous vous rendez compte que dans le Var, des gens sont allés récupérer leur voiture dans des sous-sols. Ils en sont morts. Pourquoi ? Peut-être que l'information manquait. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des améliorations à avoir pour diffuser de façon très large cette culture du risque et la faire accepter, parce que ça n'arrive pas qu'à tout le monde. Et plus on avance dans le temps, et plus le climat se réchauffe, et plus on risque d'avoir un nombre de catastrophes naturelles qui se développent. Et donc, tout ça doit s'accompagner, évidemment, d'exercices réguliers de sécurité civile qui associent les populations. Ensuite, donc, deux risques ont été pointés, notamment par les assureurs. Le risque inondation, qui va se développer, et également un risque moins connu, rétractation et gonflement d'argile. Et c'est un risque, en fait, qui est lié à la sécheresse ou à la surhumidité, et qui ne fait pas de mort, hein, mais qui fend des maisons en deux, tout simplement. Donc c'est un phénomène qui va s'accentuer avec le réchauffement climatique, et on avait pour piste de pouvoir le développer prioritairement, puisque ce sont ces deux aléas qui vont nous toucher le plus fortement. Limiter la croissance des enjeux, alors réduire l'exposition de la population et des infrastructures aux risques naturels. Ça rejoint un petit peu les éléments précédents, hein. L'interdiction de construire dans des zones d'expansion de crues, par exemple. Réduire la vulnérabilité des bâtiments avec des mesures permettant l'adaptation, hein, donc avec des nouveaux modes de construction, des nouveaux modèles. D'ailleurs, les écoles d'architecture commencent à intégrer ces éléments dans les formations initiales, ce qui est une bonne chose. Préserver et valoriser les systèmes, les services écosystémiques, notamment dans l'agriculture, pour permettre justement, comme le FEADER le permet, d'accompagner tout ce qui est lié au respect de l'environnement, au respect des écosystèmes, au respect des espaces naturels, et ensuite donc renforcer la prise de conscience collective sur l'impact du changement climatique, évidemment, ce qui est un des principaux enjeux de la COP21. Il faut également mener le débat public sur la notion de risque acceptable. On a vu, par exemple, à la Désirade, une carte rouge tombée. Ça veut dire que, évidemment, les acteurs locaux, les élus, ne peuvent plus rien faire, a priori. Ne peuvent plus accueillir, ne peuvent plus faire de tourisme, ne peuvent plus développer l'économie dans leur territoire. Donc, il faut pouvoir partager ce qu'on appelle les aléas, c'est-à-dire là, il y a un risque, sans pour autant mettre en péril tout le développement des territoires. C'est là qu'effectivement, il faut porter au débat public ces questions, les partager mieux avec la population, les acteurs, les entreprises et tous ceux qui œuvrent ou qui souhaitent œuvrer sur le territoire pour pouvoir développer sans risquer des vies.
prendre en compte le risque pour aménager le territoire, hein, donc d'articulation des besoins de développement, ce que je disais précédemment, mais également mettre en œuvre des stratégies globales. Voilà, New York est un exemple qui a été beaucoup médiatisé, puisque ce sont 20 milliards de dollars qui vont être investis parce que New York peut être inondée à tout moment. Et ils ne se sont pas limités du reste à New York, mais à élargir tout le bassin concerné, puisque c'est comme pour la crue centennale de la Seine, on peut protéger Paris, mais quid de toutes les communes et espaces qui sont en amont et en aval. Ensuite, nous proposons évidemment l'amélioration du fonds Barnier. Il faut investir dans la prévention fortement, avoir le débat public. Ça veut dire qu'il faut, pour ce fonds, soit en faire un outil de financement des politiques publiques exclusivement de prévention, car quand on parle de prévention, ce n'est pas forcément aux assurances de se substituer au rôle des pouvoirs publics, soit le recadrer exclusivement sur ses missions assurantielles. C'est une question que nous avons, pour laquelle nous n'avons pas de réponse, mais c'est une question qui est posée et qui se pose à nous. Enfin, nous avons souhaité apporter un éclairage particulier sur la crue centennale de la Seine. Évidemment que, selon les scénarios de l'OCDE, si cette crue se produisait demain, eh bien, nous aurions, tout le pays serait touché. 3% de PIB en moins, des entreprises de pointe qui sont sur le bord de la Seine, 800 000 habitants au total, puisqu'il y a eu des évolutions depuis 1910, et 6 mois pour remettre à niveau les réseaux. Alors, je sais qu'il y a eu un gros travail. On en voit souvent, on en entend souvent parler dans les médias, hein, par exemple, le travail de la RATP, hein, puisque, évidemment, tout serait paralysé pratiquement, sauf ce qui est aérien. Encore faut-il qu'il y ait de l'électricité. On a également auditionné l'ancien préfet de Vaucluse qui était au ministère de l'Intérieur et qui disait, par exemple, tout l'informatique du ministère de l'Intérieur était en sous-sol. Vous voyez, donc, il y a beaucoup d'éléments de bon sens. Et donc, on souhaite effectivement que soit attirée l'attention sur la probabilité de cette crue centennale, qu'on en prenne la mesure et que l'on puisse avoir des perspectives qui associent notamment cette politique-là dans les stratégies du Grand Paris, par exemple. Améliorer la gouvernance, vous avez vu qu'il y a énormément d'outils, énormément de vocabulaire, énormément de jargon, énormément de technicité dans ces domaines. On souhaiterait que le cadre légal et réglementaire soit simplifié, qu'on clarifie le rôle et les responsabilités des acteurs publics, qu'on mette en place des mécanismes de coordination et qu'on intègre, évidemment, dans le Grand Paris, comme je disais, cet objectif. Ensuite, c'est transversal, mais il faudrait mettre en place une stratégie globale de prévention et de financement de long terme. C'est ce que d'autres villes, d'autres capitales ont fait. C'est sûr que ça se chiffre en milliards. Bon, on peut avoir le temps court. Ici, nous sommes l'Assemblée du temps long, donc on peut se permettre effectivement de demander ce débat, de demander des perspectives de long terme qui permettent évidemment de mieux se préparer, de mieux absorber les risques. Dernier élément, 2 lois qui vont peut-être révolutionner le paysage de la prévention des risques. Premier texte, c'est la loi Allure, qui interdit désormais l'urbanisation dans les zones naturelles, dans les zones forestières, dans les zones agricoles. Ça veut dire que ça limite fortement. Et deuxième piste intéressante, car les élus, on peut dire qu'ils sont coupables, mais ils ont énormément de pression lorsqu'un plan de prévention des risques est prescrit, eh bien, la loi GEMAPI confère, alors c'est gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, confère non plus au maire, mais au président des intercommunalités le soin de gérer les rivières, les inondations,
les ouvrages hydrauliques. Ce qui dépassionne un peu le niveau local et les pressions, notamment foncières et autres, et qui permet aussi de voir un niveau sur un territoire, tout comme les tempêtes n'ont pas de frontières nationales, eh bien l'eau n'a pas de frontières communales. Et donc ces textes qui seront mis en vigueur progressivement en 2018 et 2020 sont peut-être quelques pistes obligatoires pour prévenir à long terme les risques du futur, en espérant surtout qu'on interdise les constructions, une fois de plus, si le plan de prévention des risques naturels n'est pas approuvé. Merci beaucoup de votre écoute. Je tiens, si vous permettez, à remercier particulièrement la délégation, tous ses membres, Fabrice, Alice et Claire Ménard, notre attachée. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette excellente étude présentée au nom de la délégation à la prospective. Monsieur Jean-Paul Bailly s'excuse de ne pouvoir être présent, mais est représenté par madame Agnès Courtoud. Vous avez la parole si vous le souhaitez, madame. Peut-on donner la parole ? Normalement, vous devriez avoir le... Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, président. Oui, moi aussi, je souhaiterais féliciter Alain pour son implication durant ce mandat, puisqu'il a été à la fois co-rapporteur à la section de l'environnement sur les plateformes pétrolières, merci, et que s'agissant de notre délégation, c'est la deuxième étude qu'il porte devant cette assemblée. Il en avait porté une première sur le principe de précaution avec une dynamique d'action. Donc voilà, je pense que cette étude est très utile parce qu'elle montre à la fois que notre pays a acquis une très bonne réputation lorsqu'il faut organiser des secours, venir au secours de la population lorsqu'une catastrophe s'est produite, mais que nous avons des pistes d'amélioration importantes à faire, notamment au niveau du travail de l'urbanisation. On l'a vu dans le sujet que j'avais moi-même porté en tant que co-rapporteur sur l'artificialisation des sols, parce qu'il faut cesser de construire à tout va, n'importe où, et en particulier dans le lit des rivières. Je pense que nos ancêtres l'avaient compris, et que c'est une dimension intéressante à intégrer. Voilà. Et moi aussi, je remercie également beaucoup Fabrice et Alice qui se sont impliqués aux côtés de notre rapporteur. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, cet après-midi est riche puisque après la ténacité qui a été saluée par De Philippe Le Clégio pour les indicateurs, après la sagesse qui a guidé votre étude, il y a maintenant le courage d'aborder un sujet difficile, dont j'avais estimé dès mon arrivée qu'il était peut-être celui qui pouvait faire exploser l'Europe, qui était celui de l'immigration ou de l'intégration. Je voudrais saluer au banc du gouvernement M. Giuseppe Iuliano, qui est membre du Comité économique et social européen, qui est membre du Forum européen pour l'intégration. Saluer aussi M. Julien Lavier, qui représente le haut-commissaire aux réfugiés, le remercier d'ailleurs pour toute la collaboration que le Conseil économique, social et environnemental a nouée avec votre haut-commissaire, et notamment on se souvient chacun de cette formidable réunion qui avait lieu ici pour la réflexion à mener par rapport aux réfugiés. Je voudrais aussi saluer en tribune la présence du FORIM, qui est le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Alors, je ne sais pas où ils sont. Il y a Madame Rally Sarraud-Niang, qui est la présidente, et la coordinatrice générale, Madame Adeline Mazier. Je voudrais aussi indiquer que, bien évidemment, notre rapporteur Olivier Kirsch a été notre... Et il y a aussi Monsieur François-Noël Buffet, qui est le sénateur et vice-président de la Commission des lois constitutionnelles, qui vient d'arriver. Eh bien, je suis ravi de le saluer. Merci, Monsieur le sénateur, pour votre présence. Et on connaît aussi le regard particulièrement aiguisé qui est le vôtre sur un sujet ô combien difficile, puisqu'il fait objet aujourd'hui des passions, quelquefois déraisonnables, de la gestion des peurs plutôt que de la construction d'espérances. Je voudrais aussi dire que grâce à l'entremise de notre rapporteur Olivier Kirsch, ce rapport qui sera soumis à votre approbation cet après-midi,
où après la déclaration des groupes, il y aura une suspension de séance pour analyser les amendements qui seront soumis à la section. Demain, un événement exceptionnel aura lieu ici au Conseil économique, social et environnemental, et je dirais en France, puisque le premier président de la Commission européenne, élu suite à des élections, nous fait l'amitié de venir rebondir sur l'avis qui sera soumis à votre vote en fin d'après-midi et pourra aussi aborder un certain nombre de sujets. L'organisation, nous avons transmis au commissaire vos questions. Il les a intégrées, il y répondra par écrit. Ces contraintes d'agenda font que probablement, après le discours d'accueil que je prononcerai, il s'adressera à vous. Il aura peut-être du mal à répondre à quelques questions, mais il sera demain reçu au bureau par les vice-présidents. En tout cas, nous attendons, monsieur le rapporteur, au nom de la section internationale des affaires européennes, présidée par monsieur Yves Verrier, dont je voudrais vraiment saluer. Je rappelle quand même que si le bureau à l'unanimité avait estimé que c'était un sujet important, nous avons hésité pendant quelques années avant d'aborder ce sujet. Et je crois qu'il est plus essentiel que jamais qu'une assemblée de la société civile, loin des enjeux politiciens qui quelquefois instrumentalisent le débat sur des sujets ô combien compliqués, puisse avec sagesse, avec recul, nous inciter à réfléchir sur le sujet que vous allez maintenant nous présenter et qui est celui des migrations internationales, un enjeu planétaire. Merci, monsieur Kirsch, d'en être le rapporteur. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, merci pour ces quelques mots, même si vous me mettez directement la pression. En tout cas, monsieur le sénateur, permettez-moi de vous saluer. Cher Giuseppe Giuliano, qui nous a fait l'amitié pendant nos travaux de venir nous voir et qui représente le Conseil économique et social européen, merci. Monsieur le représentant du HCR, mes chers collègues. Alors, j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui au CESE un avis sur l'enjeu planétaire des migrations internationales. Alors, quelques mots en avant-propos. Je voudrais très sincèrement remercier le président Yves Verrier, président de la section des affaires européennes et internationales. Dès le début, passionné par le thème, il m'a soutenu et accordé toute sa confiance et il a animé avec passion nos débats. Merci aussi aux conseillères et conseillers de la section, parce que vraiment chacun a mis son expérience, sa sensibilité dans ces débats, qui est réellement un travail collectif. Je pense que nous avons tous appris un certain nombre de choses, et moi-même, j'ai eu l'honneur d'apprendre énormément de choses au cours de ces travaux. Merci aussi à notre administratrice, Madame Isabelle Bach, qui, au cours de nos travaux, a eu un grave pépin de santé, qui n'est pas parmi nous, mais on lui adresse notre salut amical. Son adjointe, Marion Thomas, Özgül Güngör, l'assistante des personnalités qualifiées. Et on a eu un super stagiaire pendant quelques semaines, donc je le cite parce que ce sont les petits, les obscurs, les sans grade, c'était Johan Munari. De nombreuses personnalités ont été auditionnées pendant ces travaux. Certaines sont dans les tribunes et je les salue. Alors, évidemment, on ne parle que de ça en ce moment, mais ça faisait un moment qu'on s'était penché sur ce sujet, comme l'a dit le président Delvoye. Les migrations sont devenues désormais une des dimensions majeures de la mondialisation. La crise des migrants en Europe et en France est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Elle ne doit pas déformer la réalité d'ensemble. Toute l'approche qui a guidé notre travail, engagé officiellement depuis 2014, a été de prendre du recul et de la hauteur. Alors je sais, on m'a charrié là-dessus, comment est-ce que tu fais pour faire un pas en arrière et en hauteur, mais maintenant, sans humour, c'est vraiment ce que nous avons voulu faire. La section a jugé indispensable de clarifier les termes du débat et d'abord de dresser un panorama des grandes caractéristiques des phénomènes migratoires et de leur évolution dans le monde. Quelques grands traits. On a d'abord constaté que les phénomènes migratoires sont souvent très mal appréciés dans leur ampleur. Au niveau mondial,
les migrants internationaux, donc de pays à pays, ne représentaient en 2013 que 3,2% de la population mondiale, soit 232 millions de personnes, environ 9% de celles des pays développés. Depuis les années 90, on constate une certaine accélération, mais la proportion a très peu évolué, puisqu'en 70, le taux était d'environ 2,2, pour 3,2 actuellement. Toutes les régions du monde et toutes les catégories de personnes sont concernées. Depuis 30 ans, le panorama des migrations a considérablement évolué. Les facteurs de migration se sont développés à la recherche d'emploi, de meilleures conditions de vie, à la fuite des zones de conflit, se sont ajoutés, et certains de nos avis en ont tenu compte ici dans cette assemblée, les déplacements environnementaux, la volonté d'étudier à l'étranger, ou même des mouvements nord-sud dits de confort. Certaines personnes d'Europe qui vont en Afrique du Nord passer leur retraite, etc. Les mouvements migratoires se sont aussi régionalisés. Ce qu'on appelle régionalisé, ce sont des grands sous-ensembles nationaux et pas les régions telles qu'on les entend au niveau français. Les distinctions traditionnelles opérées entre pays de départ, de transit et d'accueil tendent à s'estomper, puisque chaque territoire national est susceptible d'occuper tour à tour cette fonction, devenant une terre d'émigration, d'accueil ou de passage. Ensuite, les catégories de migrants ont évolué. Alors nous avons pris le parti de présenter plusieurs catégories de migrants. Ça n'est pas totalement exhaustif. Les migrants de travail, le regroupement familial, les étudiants, les réfugiés et demandeurs d'asile, ainsi que de nouvelles catégories de migrants, déjà citées, les déplacés environnementaux et les déplacements de confort. Enfin, le cas spécifique des migrants en situation irrégulière. Il faut garder à l'esprit que cette classification n'est absolument pas imperméable, puisqu'une même personne peut passer fréquemment de l'une à l'autre au fil de son existence. Un étudiant peut devenir un migrant du travail dans le pays qui l'accueille et un demandeur d'asile, une fois son statut de réfugié obtenu, se mettra lui aussi à la quête d'un emploi. Contrairement aux idées communément admises, le plus souvent, on ne migre pas par choix, mais on migre par nécessité. Le cas des migrants de confort qu'on a évoqué tout à l'heure, on en a parlé encore récemment, certes, certaines personnes âgées vont passer une partie de l'année en Afrique du Nord, mais c'est probablement aussi pour une question de niveau de vie et de moyens. Donc, la migration tend à se révéler en plus un processus de plus en plus onéreux qui n'est pas à la portée de tous les candidats au départ. Alors, les principales évolutions, une fois brossé, même si c'est rapidement, nous avons souhaité vous donner un éclairage, un focus sur la France et l'Union européenne. Les migrations en France, et là il faut tout de suite remercier le groupe des territoires, enfin d'outre-mer, qui nous a aidés à travailler sur les cas particuliers de Mayotte et de la Guyane, qui sont évidemment exceptionnels. Mais le cas de la France fait fréquemment l'objet d'une surévaluation. La France compte, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, qui sont certes de 2014, mais qui sont quand même très récents, 8,9% d'immigrés, définis comme personnes étrangères nées à l'étranger, y compris celles qui ont acquis la nationalité française. Donc, 6,4% d'étrangers nés à l'étranger et encore étrangers actuellement en France. Nous ne sommes donc pas, et ça a été une surprise pour pas mal d'entre nous, même si certains grands quotidiens comme Le Monde en ont fait état il n'y a pas longtemps, nous ne sommes plus une terre d'immigration majeure. On occupe le 5e rang européen seulement. Nous sommes loin derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou même l'Autriche, qui elle est au-dessus de 11%, sans parler des dernières migrations qui se produisent en ce moment. Alors certes, la population immigrée rencontre en France des problèmes persistants d'intégration. Ça n'était pas du tout le thème de cet avis, même si entre nous, ça mériterait absolument d'être poursuivi dans les travaux du CESE, que de travailler sur l'intégration.
nous sommes quand même obligés de constater qu'il y a bien sûr un gros problème d'intégration, notamment pour les immigrés récents, c'est-à-dire ceux qui sont installés en France depuis moins de 5 ans. Ceci dit, l'Europe, elle, reste effectivement l'une des principales zones d'attraction des migrants dans le monde. Elle est même la première destination lorsqu'on parle d'Europe, du continent européen, c'est-à-dire y compris la Russie. Effectivement, les chiffres d'Eurostat montrent que la population immigrée est de 72 millions de personnes au niveau du continent européen. Par contre, l'Union européenne compte, quant à elle, plus de 34 millions d'immigrés, soit près de 7% de sa population. Le flux annuel d'immigration aux provinces de pays tiers atteint 1,4 million de personnes. La situation est disparate d'un pays à l'autre, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, évidemment, la situation de l'Union européenne est unique puisqu'elle intègre le seul espace de libre circulation de personnes existant, le fameux espace Schengen, si souvent critiqué en ce moment, mais qui reste quand même une des plus belles constructions de l'Union européenne, qui, je vous le rappelle, représente 22 des 28 États membres et qui associe 4 pays voisins. Chaque pays est donc responsable dans l'espace Schengen de la surveillance des frontières extérieures situées sur son territoire. Nous y reviendrons tout à l'heure, puisque ça fait partie des débats et des problèmes. Bon, il y a deux exceptions à la libre circulation interne et à la surveillance externe des frontières par chacun des États membres. Ce sont l'article 78.3 du traité fondateur de l'Union européenne, qui signifie que les États membres auraient pu agir de façon plus solidaire aux côtés des pays du premier accueil. Le traité fondateur de l'Union européenne a prévu dès le départ qu'il pouvait y avoir, et à l'époque, je dois dire que c'était assez visionnaire de la part de ce qu'on a appelé les pères de l'Europe, que de dire qu'on pouvait prévoir un afflux massif d'immigrés et qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas laisser seuls les pays en première ligne, c'est-à-dire les frontières extérieures de l'Europe, qu'il fallait plus de solidarité. Les articles 23 et 26 du Code des frontières Schengen prévoient quant à eux la possibilité des fermetures temporaires, et ça, vous savez que ça a déjà été le cas, puisque la France, par rapport à l'Italie, et l'Allemagne l'a envisagé également. Il faut ensuite rappeler que la politique migratoire de l'Union européenne, qui est encore embryonnaire, demeure une compétence partagée entre la Commission et les États membres. De nombreuses avancées ont été réalisées dans de nombreux domaines. Par exemple, le régime d'asile européen qui a été adopté en 2012, et là c'est beaucoup plus récent, l'agenda européen en matière de migration, qui est une nouveauté de la commission Juncker, et dont j'espère que le président Jean-Claude Juncker, qui sera à cette tribune demain, nous parlera. Cela dit, la récente crise des migrants a révélé les difficultés de mise en œuvre d'une politique migratoire commune. Nous ne venons de faire qu'un bref aperçu de ce sujet qui est vaste et complexe. Mais je voudrais quand même vous dire que nous sommes arrivés à faire quelques préconisations qui nous ont paru vraiment importantes au niveau de l'analyse de notre projet d'avis. Il faut davantage de cohérence au niveau international et il faut une stratégie européenne de long terme. La complexité des phénomènes migratoires, leur couverture médiatique, voire leur instrumentalisation à des fins politiques nous a conduit à faire le choix délibéré, sans pour autant ignorer l'actualité, de prendre une fois encore hauteur et recul et de privilégier une approche par les droits. Le premier axe de nos préconisations est une approche globale de la gestion des migrations en allant vers plus de cohérence au niveau international. Il faut rappeler que le système onusien ne prévoit pas, ne comprend pas d'organisation spécifiquement dédiée aux migrations. La mise en place d'une organisation internationale dans ce cadre, ma foi, reste encore en ce moment du domaine de l'idéal et probablement lointain par rapport aux propositions politiques qui sont faites. Cela dit, de nombreuses organisations internationales majeures, l'ONU, le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, et je salue encore une fois son représentant, l'Organisation internationale du travail,
les organisations internationales des migrations, tout cela existe. Mais les conventions internationales et les normes portant sur la migration et les droits de l'homme forment un large éventail, mais il faudrait que deux objectifs président à leur action. La défense des droits de l'homme et le soutien de la gouvernance, de la bonne gouvernance des pays en voie de développement. Nous proposons donc de soutenir le renforcement des espaces de dialogue qui ont été créés sous l'égide de l'ONU dans les années 2000, en plaçant la problématique des migrations au cœur de leurs débats, notamment le groupe mondial sur les migrations, les dialogues de haut niveau sur les migrations, les forums mondiaux annuels. Nous appelons aussi à une ratification plus large des conventions internationales allant dans le sens de la protection des droits des migrants et des réfugiés et surtout à leur mise en œuvre via l'introduction de mécanismes de supervision et de contrôle effectifs. À ce niveau, nous considérons que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est prescriptive de normes en faveur de la protection des migrants, doit voir son positionnement pleinement affirmé. Nous sommes également favorables à la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux. Nous avions parlé tout à l'heure des formats régionaux, c'est-à-dire entre grands sous-ensembles géographiques qui nous paraissent particulièrement adaptés. Il faudra aussi, conforter les politiques de développement. Migration et développement sont intrinsèquement liés. Les grands rendez-vous internationaux qui ponctuent l'année 2015 sont décisifs pour s'engager résolument sur la voie d'un développement durable et intensifier les efforts en faveur de l'éradication de la pauvreté et de la lutte contre le changement climatique. Conférence d'Addis Abeba qui a eu lieu en juillet, le sommet extraordinaire sur le développement de l'ONU en septembre et la conférence climat dont nous avons longuement parlé dans cette enceinte à la fin de cette année. À la lumière du rapport 2014 de l'ONU sur la réalisation des 8 objectifs du millénaire pour le développement, l'OMD, en dépit d'un certain nombre d'avancées, les résultats restent très insuffisants et très inégaux selon les régions du monde pour s'inscrire dans une réelle perspective de développement économique, social et environnemental. Nous avions d'ailleurs noté, puisque c'était un débat de fond pour certains de nos collègues, que cette perspective soulevait la question même des modèles économiques existants. Nous réitérons donc aujourd'hui avec force notre conviction que la lutte contre la pauvreté constitue une priorité et par là même une des clés pour lutter contre les migrations forcées. Les migrants devraient être pris en compte comme des acteurs à part entière du développement dans le cadre des ODD adoptés en septembre 2015. Les principes et les objectifs affichés sont ambitieux et on ne peut qu'y adhérer. Notre Assemblée la première. Nul doute qu'ils donneront lieu à un large consensus autour de promesses d'action rapides. Toutefois, après les conférences dont on a déjà parlé d'Addis Abeba, de New York et à la veille de la conférence de Paris, le défi reste dans la capacité des États à s'entendre et à souscrire des engagements forts, notamment sur les moyens financiers. Les retards accumulés dans la réalisation des OMD commandent d'agir vite pour la mise en place de celles-ci. Dans ce contexte général, nous confirmons également, alors tout le monde l'a dit, on l'a répété, on le répète régulièrement, que depuis 1970 a été fixé un seuil de 0,7% du revenu national disponible consacré à l'aide publique pour le développement et que nous n'en sommes toujours pas là. Donc permettez-nous encore une fois de rappeler ce qui ne devrait pas être un simple vœu pieux. Nous avons la chance d'avoir dans les tribunes un certain nombre d'associations d'aide aux migrants et je tiens à dire que la section s'est déclarée favorable à ce que les associations de migrants bénéficient d'une part de l'APD dans une logique de co-développement. Nous soulignons de nouveau que dans le cadre de ce soutien financier, celui-ci devrait donner lieu à une relation contractuelle entre les pays bénéficiaires, notamment concernant la restauration ou la promotion de l'état de droit, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale
qui constituent des priorités dans ce domaine. En complément du versement de l'APD, là aussi, on en parle depuis longtemps, mais nous renouvelons notre appel à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières qui permettrait d'honorer les engagements financiers pris à Copenhague en 2009 en faveur des pays les plus touchés par les dérèglements climatiques. Je rappelle qu'il s'agit de 100 milliards d'euros par an d'ici à 2020. Le deuxième axe de nos préconisations est de définir, au-delà du niveau international, une stratégie à long terme au plan européen. La détermination d'une nouvelle politique migratoire figure parmi les priorités inscrites au programme d'action stratégique de la Commission Juncker dès sa prise de fonction en novembre 2014. A d'ailleurs été nommé, comme vous le savez, un commissaire européen chargé des questions migratoires, et c'était une première action concrète. L'accélération, depuis le début de cette année, des arrivées de migrants concentrées sur quelques pays, l'Italie, la Grèce, Malte, la Hongrie, a coïncidé avec l'élaboration par la Commission européenne d'un agenda sur les migrations en mai 2015. Cette priorité de la Commission devient une urgence qui appelle des décisions communes. Toutes les difficultés que vous avez, que nous avons constatées au cours des derniers mois, lors de la discussion entre les États membres pour répartir les efforts à consentir, témoignent de la délicate équation entre responsabilité de chacun et solidarité de tous les États, sécurité des frontières et ouverture de l'Union européenne. La situation particulièrement complexe à laquelle l'espace Schengen doit faire face renvoie à l'essence même de la construction européenne et aux valeurs fondamentales qui l'ont forgée. Excusez-moi, vous la connaissez tous, mais rappelons-nous simplement l'article 1 du traité de l'Union européenne. L'Union est fondée sur les valeurs de respect et de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que du respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Pardon de vous le rappeler, vous le connaissez tous, mais parfois ça va encore mieux en le rappelant. Le vrai défi à relever est là, et il est d'abord politique. Il revient aux dirigeants européens de faire montre du courage qu'impose la prise en charge, avec humanité et discernement, de ces migrants qui atteignent l'espace communautaire et, au-delà, le traitement de la question migratoire elle-même. Il est donc nécessaire d'agir collectivement face à la crise des migrants. On ne peut pas laisser un pays seul gérer la charge d'arrivée de personnes souvent démunies. Nous préconisons que l'article 78.3, déjà évoqué, du traité de fonctionnement de l'Union européenne soit mis en œuvre de façon effective dès qu'une crise migratoire survient. Je rappelle que c'est le Conseil européen qui demande à la Commission d'intervenir après accord du Parlement européen, mais enfin, ça n'est pas une procédure si lourde qu'on ne puisse pas l'utiliser beaucoup plus rapidement et de façon plus générale, de façon plus large. L'Union européenne ne doit pas agir seule sur les questions migratoires. Nous soutenons donc toutes les coopérations nouées ou à développer, une fois encore, et c'est le fil directeur de toute notre réflexion, dans le strict respect des droits de l'homme. Au niveau européen, les organismes de représentation de la société civile, M. Giuliano, et notamment les CES nationaux et le CES européen, ont un rôle pertinent à jouer dans le cadre de cette coopération sur les problèmes migratoires. Il faut aussi aller, toujours au niveau européen, vers des règles partagées en matière d'asile. Ces dernières années, l'Union européenne s'est dotée d'outils pour harmoniser le régime d'asile, mais il reste insuffisant. Nous considérons donc, comme d'ailleurs la Commission européenne l'a évoqué pour 2016, encore une fois de là
l'importance formidable de l'intervention du président Juncker, qu'il faut adapter et assouplir le système de Dublin pour permettre à un demandeur d'asile de déposer sa demande auprès d'un autre pays que celui de premier accueil, et d'ailleurs également pour lui permettre de réaliser un regroupement familial plus facilement. De façon plus large, nous sommes favorables à l'application de la clause dite de souveraineté, très mal nommée, parce que la souveraineté a pour les Français tout à fait une autre signification, mais enfin, celle qui permet à un État membre de l'Union européenne d'accepter le dépôt d'une demande d'asile sans être le pays de premier accueil, dans le cadre d'une concertation entre les États membres concernés. Ensuite, compte tenu des dérives possibles dans l'accueil des migrants, dans le cadre de la directive accueil, lorsqu'on constate notamment la dégradation de certaines conditions de vie dans certains centres de rétention, que nous ne citerons pas, mais nous avons quelques exemples, enfin nous en avons en tout cas un sur le territoire national. Nous soutenons l'affectation de budgets adaptés à une réelle aide aux associations et ONG dont l'expérience et la compétence sont uniques pour faire face à une situation qu'elles ont déjà traitée dans le passé sur le plan international. Il se trouve que cette fois-ci, les cas se produisent même sur notre territoire. Enfin, nous nous interrogeons sur la distinction opérée dans la directive procédure entre les qualificatifs, alors là ça devient compliqué, de pays tiers d'origine sûre, sûr tout court ou européen sûr, et le danger donc de la situation des demandeurs d'asile. L'Union européenne devrait établir une liste commune de pays d'origine sûre, respectant les critères de Copenhague. Les critères de Copenhague parlent de démocratie, d'état de droit et de respect des droits fondamentaux. Ensuite, il faut que nous assurions une gestion solidaire des frontières. Le principe de la libre circulation au sein de l'espace Schengen, qui est un acquis majeur, étant un homme des frontières, je fais partie, comme le président Juncker, de ceux qui se sont battus à l'époque pour arriver à cet accord, a pour corollaire des frontières extérieures communes, dont le contrôle incombe au nom de tous les membres de l'Union européenne aux États situés sur leurs frontières. Or, le drame humanitaire que représente quotidiennement cette arrivée record de migrants a mis en évidence l'inadaptation de certaines règles et l'inefficacité des actions menées. Nous plaidons donc pour une politique migratoire européenne commune, plus particulièrement en ce qui concerne la gestion et la protection des frontières de l'espace Schengen. Dans un espace commun, la politique migratoire ne peut pas être compartimentée, mais requiert une approche commune et intégrée dans ses différentes composantes. Une approche plus solidaire et plus commune de la gestion des frontières est d'autant plus nécessaire que les tensions s'exercent à l'ensemble des points d'entrée de l'Union européenne. Après l'Italie, la Grèce, Malte et la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, et quels sont les pays qu'on nous citera encore dans les prochains jours, les pays scandinaves. Cette gestion plus harmonisée des frontières doit également prévoir la mise sur pied d'opérations de sauvetage en mer et d'opérations communes dont le dimensionnement permet d'apporter secours et assistance aux migrants. C'est le devoir de l'Union européenne, en vertu de ses valeurs fondatrices, de porter assistance aux migrants en situation de détresse, qu'il s'agisse d'arriver par voie maritime ou terrestre. Un redimensionnement de Frontex dont on a souvent dit « ça coûte cher et ça sert à rien », oui, mais alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut supprimer Frontex. Je pense qu'un redimensionnement, enfin nous avons pensé qu'un redimensionnement de Frontex allant au-delà du seul contrôle et dans le sens de la prise en compte de l'aspect humanitaire du traitement des crises migratoires est par ailleurs nécessaire. C'est au niveau européen et avec tous les acteurs que cette réflexion doit être menée. Nous proposons également, dans ce cadre, une gestion solidaire des frontières. Nous proposons également une lutte résolue contre les réseaux criminels de passeurs. Leur activité s'apparente d'ailleurs, comme cela avait été fait remarquer par le président Verrier, à un trafic d'êtres humains, tout en préservant les droits du migrant lui-même.
Nous avons, l'Union européenne s'est dotée d'un dispositif juridique complet. Il s'agit bien de manifester leur volonté et leur détermination de le mettre en œuvre et d'avoir une véritable coopération judiciaire dans ce domaine. À ce sujet, d'ailleurs, la Commission a tenu à attirer l'attention sur les dérives potentielles que pourraient présenter les centres d'accueil, dits hotspots, dans les pays de premier accueil. Il peut exister un risque que ces centres s'apparentent davantage à des centres de tri de migrants plutôt qu'à des lieux décents d'accueil et de prise en charge. Enfin, et ça n'est pas rien non plus, nous sommes favorables à la mise en place d'un système européen de garde-frontières entre différents États européens volontaires, fondés sur une mutualisation de moyens et une coordination de pratiques. Cela constituerait un signal fort dans le sens d'un renforcement concret des notions de solidarité et de responsabilité partagée. Il faudra ensuite, mais nous y sommes bientôt, dessiner un cadre clair pour la gestion des flux migratoires. Les débats que suscitent actuellement, au sein des instances européennes, mais aussi des opinions publiques, la question migratoire doit être l'occasion d'ouvrir la discussion sur la définition d'une politique migratoire commune et d'en poser les termes. S'agissant de migrants de travail, qu'il s'agisse de facto de travailleurs en situation régulière ou non d'ailleurs, l'enjeu est majeur pour l'Union européenne, notamment au vu de son évolution démographique à moyen terme. Selon des projections établies par Eurostat, sans l'apport de migrants, l'Union européenne perdrait d'ici 2050 41 millions d'habitants. Entre 2015 et 2030, la tranche d'âge des 20-45 ans se contracterait de plus de 30,2 millions et les effectifs des plus de 65 ans augmenteraient de plus de 31,7 millions d'individus. Dans ce scénario, la population en âge de travailler diminuerait de 17,5 millions de personnes. Or, toutes les études convergent sur un point. Les besoins en main-d'œuvre qualifiés devraient se traduire, selon la Commission, par une hausse de 23% d'emplois à pourvoir par des diplômés de l'enseignement supérieur. L'agenda européen en matière de migration identifie plusieurs secteurs clés affectés dès maintenant par le manque de main-d'œuvre: les sciences, la technologie, l'ingénierie, la santé. L'Union européenne aura par ailleurs toujours besoin de faire appel à des travailleurs de moindre qualification pour de très nombreux postes. De fait, nous appuyons les différentes pistes avancées par la Commission européenne dans son agenda pour les migrations, dans le but de moderniser et d'adapter la politique européenne de délivrance de visas. Concernant la directive retour, notre Assemblée se prononce pour que les États membres en respectent, dans sa mise en œuvre, à la fois l'esprit et la lettre, dans le strict respect, une fois encore, des droits de l'homme qui doit présider impérativement en la matière. La mise en place de mesures d'accompagnement qui assurent le déroulement décent des retours est une condition essentielle. Si vous permettez, j'ai évoqué tout à l'heure, pour conclure, le fait que je suis un homme des frontières, puisque la SAR vient de fêter la semaine dernière son 60e anniversaire de retour à l'Allemagne. J'ai connu la SAR française, comme mes parents ont connu la Moselle allemande. Enfin, nous, on a vu les frontières se déplacer. Plus que ça, mes parents et mes grands-parents ont été des réfugiés pendant la dernière guerre. Vous savez peut-être que tous les Alsaciens lorrains ont été évacués. Et donc, je suis inquiet, comme beaucoup d'entre vous et beaucoup de nos concitoyens, de voir la récupération qui peut être faite des phénomènes migratoires. Encore une fois, recul et hauteur, et avec nos collègues de la section, bien avant la crise de cette année, on a essayé de travailler sur ce thème, parce qu'il ne faut pas que ce thème des migrations ressurgisse seulement à l'aune des crises humanitaires, sous l'effet de l'émotion de certaines photos, aussi dramatique soit-elle, et il faut qu'on sorte un petit peu de l'instantanéité. Alors, il faudra mener une réflexion de long terme au-delà de cet avis, mais je crois sincèrement que le CESE est totalement dans son rôle
nous n'avons pas à laisser des extrémistes de tout bord ou de tout poil se pencher sur ce sujet, alors qu'ici, nous avons toutes les tendances, toutes les sensibilités de la société civile. Je crois que c'est notre devoir de faire des préconisations en rappelant, encore une fois, le respect des droits de l'homme. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu m'apporter et je suis vraiment très fier, permettez-moi, si je parlais vulgairement, je dirais même que je biche un peu, d'avoir réussi à amener le président Juncker, qui est vraiment un type formidable, mais surtout un ami de plusieurs décennies, à venir s'exprimer devant nous demain. Mais c'est lui qui a plus à apprendre qu'il n'a à nous apprendre. Merci pour votre attention. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Mais ça ne nous déplaît pas de vous voir bicher. Bien, sans plus tarder, à moins qu'il y ait... Vous ne voulez pas prononcer un mot ou le... D'accord. Sans plus tarder, nous allons donc entendre les groupes. Le premier d'entre eux, sachant que les amendements seront étudiés à la fin du temps de parole des groupes. La parole est à la... Pardon ? Vous souhaiteriez étudier les amendements avant ? D'accord. Donc on peut suspendre la séance et demander à ce que vous puissiez... Voilà. Donc, alors, avant de suspendre la séance... Monsieur le commissaire, monsieur le représentant du commissaire, monsieur le représentant du comité européen, monsieur le sénateur, voulez-vous dire un mot ou pas ? Monsieur le sénateur. Attendez, un tout petit mot au sénateur. À monsieur François-Noël Buffet. Vous appuyez, puis après vous attendez que la lumière rouge s'allume. Et normalement, vous devriez avoir... Est-ce qu'on peut mettre le micro ? Au banc du gouvernement, s'il vous plaît. Ah voilà, il faut une carte, effectivement. Et ensuite, nous suspendrons la séance. Vous m'indiquerez, madame la secrétaire générale, le numéro de salle. Voilà, vous pouvez parler. Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs, merci tout d'abord de nous avoir permis de participer à vos travaux cet après-midi. Évidemment, nous évoquons, le rapporteur vient de le dire, un sujet essentiel à la fois parce que l'actualité nous y pousse, mais pas seulement, parce qu'il porte en lui des enjeux extrêmement importants et que vous avez raison de dire qu'il convient d'avoir une attitude, de prendre du recul et de la hauteur en même temps. Mais ça n'est pas toujours facile dans les circonstances que nous connaissons et souvent parce que beaucoup d'entre nous, quels qu'ils soient d'ailleurs et de quelques bancs où ils se situent d'ailleurs ou de convictions, réagissent en fonction parfois même de circonstances ou simplement de façon émotive, ce qui est nécessaire, mais ce qui est parfois pas toujours au service de la cause que l'on veut bien défendre. Et la cause migratoire est une cause, le sujet migratoire exactement est un sujet extrêmement difficile, puisqu'il engage à la fois des enjeux juridiques, d'équilibre, mais également c'est un sujet humain. Et c'est parce qu'il est un sujet humain qu'il est un sujet difficile. Et l'appréhension du Sénat ces derniers temps, puisque le Sénat m'avait confié d'être le rapporteur à la fois du texte sur le droit d'asile au printemps dernier, et nous venons de terminer, en tous les cas pour une première lecture, le texte sur les droits des étrangers, le droit de l'immigration, a montré à quel point les enjeux sont terribles. Et nous avons besoin d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de... à la fois de pertinence et de connaissance du terrain. Je crois que c'est ce qui peut nous permettre de nous aider le plus. Mais en même temps, la nécessité d'avoir des positions très claires. Et je voudrais en terminer par là, monsieur le président. Il me semble, à tout le moins, que nous avons, en la circonstance, besoin de l'Europe. Car sur des problèmes juridiques ou des problèmes de législation qui sont des problèmes nationaux, nous sommes en réalité sur un projet et sur une situation qui relève de l'échelle européenne particulièrement. Bien sûr, plus largement, mais pour ce qui nous concerne, de l'échelle européenne. Et plus que jamais, nous avons besoin que l'Europe se prononce clairement sur des politiques migratoires et qu'elle dise clairement ce qu'elle souhaite et que nous ayons, vous avez la chance demain d'avoir le président Juncker, mais que nous ayons la chance d'avoir un portage politique fort en ce qui concerne les politiques migratoires européennes. On discutera du comment, peut-être, du détail, en tous les cas des grands choix, mais on a besoin que l'Europe porte fortement ce sujet-là. Et puis je crois, puisqu'il y a un représentant ici du Haut Commissariat aux réfugiés, que nous avons aussi besoin de travailler
avec le HCR, mais que les institutions nationales ont besoin de travailler avec le HCR. Je sais qu'en France, l'OFPRA le fait déjà beaucoup, mais à cette échelle, à l'échelle des enjeux d'aujourd'hui, nous avons besoin de ce travail-là, d'avoir les points de vigilance que vous évoquiez sur les hotspots dans la situation actuelle, mais que nous ne soyons pas dupes non plus que beaucoup de personnes profitent de cette situation et que les attitudes mafieuses, les comportements mafieux, les trafics en tout genre qui existent sur le dos des plus malheureux est absolument intolérable et que nous avons en même temps que notre capacité d'accueil, que notre capacité d'être à l'écoute des humains qui sont engagés dans ces situations-là, il faut être une fermeté absolue, mais absolue à l'égard de ceux qui en profitent. Voilà, simplement merci. Quelques propos. En tous les cas, merci vraiment à la fois de votre invitation, de vos travaux, et on attend les interventions pour écouter. Merci. Merci, monsieur le sénateur, et merci aussi, bien évidemment, de la collaboration entre le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental pour que nous puissions, avec l'Assemblée nationale, quelquefois prendre des décisions communes ou des déclarations communes. La parole est à monsieur Giuseppe Iolagno, membre du Comité économique et social européen, membre du Forum européen pour l'intégration. Vous avez la parole. Merci, Président. Merci vraiment pour l'invitation. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation du camarade Kirsch. Et je dois dire que je suis étonné du grand travail que vous avez ici fait, parce que c'est on reprend vraiment tous les efforts que auprès du Comité économique et social européen on a fait dans le cours des dernières années, mais il y a une précision, une profondité, je dirais, d'études qui sera vraiment un aide pour nous aussi pour continuer le travail. Je vais simplement dire un mot vis-à-vis de tous les amis qui étaient présents aussi. On s'est vu début juillet, chers amis. Et du début juillet jusqu'à présent, on a vécu une été qui était terrible. On a ouvert un scénario totalement différent. On a travaillé, on a réfléchi sur comment faire face aux problèmes d'immigration. Moi, en tant qu'Italien, on parlait de l'Italie, de la Grèce, de Malte. Et après, on a vu que les Balkans ont ouvert vraiment un scénario qui nous pose devant un défi encore plus grand. Ça veut dire que toutes les réflexions que nous avons faites début juillet se confirment. Le phénomène de migration, c'est quelque chose qui nous accompagnera toujours. C'est un phénomène lié à l'histoire même de l'humanité. Et de plus en plus, il y aura encore des défis. Ça veut dire maintenant aussi, le dernier chapitre qu'on ouvre dans les débats, c'est un chapitre qu'on appelle la coopération et sûreté, mais qu'on pourrait lire intervention militaire. Parce que maintenant, l'Europe se pose la question, il faut faire des interventions là, dans les pays où il y a des grands problèmes, pour éviter la migration, pour essayer de donner des réponses. Et comme vous voyez, la question, c'est très profonde pour nous maintenant. Et c'est un débat que nous devrons ouvrir avec beaucoup de sens de responsabilité. J'imagine que la réponse, c'est toujours pas, même pas dans les interventions militaires, mais c'est vraiment interpréter les mots coopération et sûreté. Nous devons donner des réponses aux problèmes de développement de toutes les régions où il y a, là où commence le phénomène des migrations. Et c'est une responsabilité multilatérale, c'est une responsabilité de la communauté internationale, c'est une responsabilité des organisations des Nations Unies que nous devons relancer absolument. Je parle en France, qui est un des pays qui a eu toujours vraiment une grande responsabilité, un grand protagonisme sur le scénario du multilatéralisme international. Avec ces mots, avec ces scénarios, vous verrez, on devrait vraiment continuer notre travail. Ce n'est pas aujourd'hui une science qui termine un processus, c'est simplement une étape. Et j'espère que nous pourrons continuer notre collaboration. Merci vraiment. Merci à vous. Merci. Merci. Est-ce que monsieur le représentant du haut-commissaire aux réfugiés veut dire quelques mots ? Merci en tout cas, monsieur Iuliano. Merci aussi pour votre collaboration. Et je pense que vous avez raison d'insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'un pays est concerné que ceux qui ne sont pas concernés ne devraient pas exprimer encore un peu plus de solidarité.
Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Rapporteur, chers conseillères et conseillers. La question des migrations est un sujet naturellement âpre, extrêmement difficile, voire technique. Et ce que je relève aujourd'hui, c'est que vous avez parfaitement su identifier la problématique des réfugiés. Vous l'avez très bien identifié, vous l'avez mis en exergue en montrant aussi un certain nombre de paramètres sur lesquels il faut se positionner pour apporter des solutions durables. Un me semble essentiel, vous l'avez évoqué, mais je veux revenir très rapidement dessus, et c'est le sens de mon message aujourd'hui, c'est le support aux pays de premier asile. C'est fondamentalement important. Dans la crise actuelle, le contexte de la crise des réfugiés, qui est très proche de la problématique des migrations, les pays de premier asile nécessitent un appui financier, opérationnel et un véritable soutien. Et je sais que toutes les instances, l'instance européenne, s'y distinguent sur cette question et les relais sont multipliés auprès des différents États et aussi de la société civile. Mais c'est le message d'aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, était en déplacement au Liban hier. Un certain nombre de mesures vont être annoncées et vous verrez qu'elles vont dans cette dynamique qui consiste à aider véritablement les pays de premier asile. C'est une solution parmi d'autres et on espère qu'elle apportera des fruits conséquents pour cette crise des migrations et des réfugiés qui malheureusement, comme vous l'avez souligné, perdurera un certain nombre d'années. Merci beaucoup. Merci Monsieur Navier. Merci en tout cas pour les collaborations. Je suspends la séance. Vous vous retrouvez dans la salle 214. Vous estimez, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, 5 minutes. Alors, on va vous donner 10 minutes. Donc, nous reprenons la séance à 16h. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, donc, la section s'est réunie. La décision est la suivante. L'amendement numéro 1. Déposé par le groupe de la CGTFO, a reçu un avis favorable de la section. Il est ainsi rédigé. Page 6, ligne 11, ajouté. À ce sujet, comme l'y invite la décision du 6 octobre du Parlement européen, le CESE invite le Parlement français à une ratification sans délai du protocole 2014 de l'OIT additionnel à la Convention 29, 1930, sur le travail forcé. L'amendement numéro 2, déposé par le groupe de la CGTFO, a aussi reçu un avis favorable. Il est ainsi rédigé. Page 45, ligne 8, ajouter l'alinéa suivant sous forme de préconisation. Afin d'accélérer et d'amplifier la lutte contre toutes les formes de trafic d'êtres humains, auxquelles sont plus particulièrement exposées dans de nombreuses régions du monde, les populations, quand elles sont contraintes à la migration, le CESE invite le Parlement français à une ratification sans délai du protocole additionnel de 2014 à la Convention 29 de 1930 de l'OIT sur le travail forcé, adoptée en Conseil des ministres le 15 juillet 2015. Le Conseil note que le 6 octobre 2015, le Parlement européen a adopté la décision du Conseil recommandant aux États membres de ratifier ce protocole dont la Commission considère qu'il constitue une étape importante dans la lutte contre la traite et pour garantir les droits des victimes de la criminalité dans toute l'Europe. Ces deux amendements ainsi adoptés, le texte modifié sera soumis à votre vote et nous allons sans plus tarder demander aux représentants des groupes de bien vouloir s'exprimer. Le premier d'entre eux, c'est la CFTC. La parole est à Monsieur Michel Coquillon. L'actualité donne une dimension tragique pour l'Europe à ce sujet des migrations. L'humanisme, chrétien ou non, pousse à accueillir les migrants aux frontières de l'Europe, au moins s'ils sont sans solution de retour. Pouvons-nous laisser mourir ou s'enliser dans des camps des familles aux portes de la France ou de l'Europe ? Notre pays et la plupart des États européens peuvent accueillir des immigrés en regard de leur richesse. C'est même une opportunité par rapport aux effets du déficit démographique de certains pays ou au vieillissement de la population.
Mais pour l'affirmer de façon crédible, il est indispensable d'en traiter les conséquences. En effet, face au chômage important, aux problèmes de logement, aux difficultés d'intégrer des populations déjà immigrées, à la peur du terrorisme ou de la montée de l'extrémisme islamique, on ne peut tenir un discours favorable à l'accueil sans prendre en compte son aspect anxiogène. Cela suppose de mettre en place une véritable politique de traitement de ces problèmes et de se doter des moyens d'intégration importants et proportionnés aux effectifs. Se pose alors la question du financement et de son accessibilité par les populations concernées. On ne peut ignorer de graves questions pour les personnes qui obtiennent le droit d'asile. Quel emploi, quel logement, quelle prise en charge médicale? Et surtout, financer comment? Pour celles qui sont déboutées de ce droit, que faisons-nous? Le retour s'avère très difficile juridiquement et matériellement. Devons-nous laisser entrer des populations dont la seule perspective est d'aller grossir les jungles, les bidonvilles aux portes des villes, ou dans l'obligation de recourir au travail dissimulé, voire au trafic ou à la prostitution pour survivre? La CFCT soutient fortement la préconisation concernant la lutte contre les filières criminelles de passeurs, mais souscrit à ces questions. Quelle efficacité peut avoir cette mesure lorsque les passeurs opèrent dans des régions corrompues et chaotiques où la France, comme les instances internationales, n'ont guère de moyens d'intervenir sans lancer des opérations militaires à haut risque ou parfois avec les conséquences qu'on a connues dans certains pays? Dans le cas de réseaux structurés, pouvons-nous sanctionner d'autres personnes que les petites mains opérationnelles? Le groupe de la CFTC souscrit fortement à la proposition de recherche de solutions dans le pays d'origine, que ce soit par la fin d'hostilité, la lutte coordonnée au niveau international contre les mouvements extrémistes dont les exactions sont à l'origine de l'exode, c'est comme c'est le cas, par exemple, pour les chrétiens d'Irak, ou bien sûr par le développement économique dans ces pays pauvres. C'est une priorité politique pour le long terme, agir sur les vraies causes de ces exodes massifs. Il convient de s'interroger aussi sur la responsabilité d'acteurs comme les États-Unis dans cette situation. Notre groupe soutient donc fortement la préconisation sur le développement des pays à l'origine de l'émigration. Une véritable approche coordonnée européenne et internationale, comme le souligne le projet, est indispensable. La survie même de l'espace Schengen en dépend. Les préconisations de l'avis répondent donc assez largement à ces préoccupations du groupe de la CFTC, qui votera donc cet avis. Merci, Monsieur Coquillon. Au titre de l'UNSA, la parole est à Monsieur Jean Grosset. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le rapporteur, merci pour cet avis qui, dans le contexte difficile que nous connaissons, fait preuve d'un grand courage. Même si, je pense, vous avez sans doute raison d'indiquer qu'il faut prendre une certaine hauteur, mais prendre une certaine hauteur implique quand même que nous nous rendions compte que les choses se sont considérablement accélérées et que les migrations qui ont lieu à partir des réfugiés et d'autres sont des choses durables, assez massives, et qu'il faut donc qu'on essaie de les traiter avec la volonté pour le faire, parce qu'on a les recommandations que vous faites, tout ceci indique une volonté, implique une volonté assez importante. À ce sujet, il est manifeste que beaucoup de personnes fuient la guerre, la terreur, la dictature, se bousculent aux portes de l'Europe, et les réactions au sein des États, comme entre les États, sont diverses, voire opposées. Parlons de la Hongrie, qui érige des murs de barbelés et qui tire sur les réfugiés. Sans parler d'autres questions qui sont avec une force extrêmement importante à travers toute l'Europe, où cette question est posée de façon plus politique que sur le cap
de l'égalité des droits que vous avez soulevé dans votre rapport. Vous avez raison de vouloir faire œuvre de pédagogie afin de rééquilibrer le regard porté sur la question des migrations. Dresser un constat lucide est certainement judicieux pour combattre les instrumentalisations politiques et la montée des courants xénophobes. Il est essentiel de réaffirmer, contrairement aux idées communément admises, on ne migre pas, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, par choix et par nécessité. C'est effectivement le cas des réfugiés, mais aussi fréquemment des migrants dits économiques, contraints de quitter leur pays pour trouver un emploi décent. Comme l'avis, l'UNSA se prononce pour une approche globale de la gestion des migrations, pour une gouvernance mondiale efficace et cohérente, et pour un rôle renforcé du groupe mondial sur la migration. L'UNSA milite également, mais l'amendement va dans ce sens, pour que l'OIT, organisation tripartite, se voit attribuer une place plus importante au niveau international. Nous soutenons l'appel lancé pour une ratification plus large des conventions qui vont dans le sens de la protection des droits de l'homme et singulièrement ceux des réfugiés et des migrants, leur mise en œuvre effective par l'introduction de mécanismes de supervision et de contrôle. Il est indéniable que migration et développement sont intrinsèquement liés et qu'il faut à ce titre conforter les politiques de développement. Malheureusement, le bilan de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, sont extrêmement décevantes. Il est donc appréciable que les dirigeants mondiaux se soient engagés en septembre dernier en faveur d'un programme de développement durable à l'horizon 2030, visant notamment pour mettre fin à la pauvreté et à encourager le travail décent. Comme l'affirme à nouveau l'avis, le défi réside dans la capacité des États à prendre à respecter des engagements forts sur les moyens financiers. À propos de l'Union européenne, il n'est pas inutile de rappeler ce que vous avez rappelé tout à l'heure, parce que c'est un cap volontaire et politique sur les valeurs, le respect, la dignité humaine, la liberté, la démocratie. L'UNSA estime qu'une remise en question de l'accord de Schengen serait un revers pour la construction européenne et ne résoudrait pas les problèmes des migrations. Nous partageons l'avis, ce qu'a dit le rapporteur, sur laquelle la réponse à l'afflux des migrants doit être collective et solidaire, de même que la gestion des frontières extérieures à l'Union européenne. Nous considérons que les normes communes pour l'accueil des demandeurs d'asile doivent être appliquées et respectées, ce qui n'est pas encore le cas, d'où les procédures d'infraction lancées par la Commission à l'égard de plusieurs États. D'autre part, l'avis souligne à juste titre que le moment est venu de revoir le règlement de Dublin. Nous considérons qu'une véritable politique commune en matière de réfugiés et d'asile exige que la solidarité soit ancrée solidement dans l'approche politique de l'Union européenne et dans ses règles. Vous avez pris un cap, nous souhaitons qu'il soit pris par les dirigeants politiques et en Europe et dans le monde. Merci. Et que nous mettions en avant des éléments de solidarité plutôt que de repli sur nous-mêmes. Merci encore pour cet avis, nous le voterons. Merci Monsieur Grosset. Au titre de la CGT, la parole est à Madame Fabienne Crumont-Blanc. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Avant tout, la CGT tient à remercier l'administration pour le travail réalisé dans les conditions que vous connaissez malheureusement tous. Ce projet d'avis est le fruit de longs débats contradictoires, mais n'est-ce pas là la quintessence de notre Assemblée ? La CGT souhaite saluer le choix du rapporteur qui a privilégié une entrée par le respect des droits de l'homme et l'aide au développement. La vision géopolitique, voire mondialiste, retenue par le rapporteur permet de relativiser, grâce notamment aux chiffres, les perceptions que l'on peut en avoir en France comme en Europe. Comme le rappelle le projet d'avis, l'Union européenne n'est pas la première terre d'asile choisie par les réfugiés. Pour ceux qui souhaitent y venir, ils doivent être accueillis dignement, sans distinction de sexe, de nationalité ou encore de religion. C'est la Convention de Genève, comme les traités européens, qui doivent s'appliquer, car l'asile est un droit. La CGT estime que la situation de réfugiés n'est pas le fruit du hasard. C'est avant tout la conséquence des conflits en Afrique, au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Libye, en Érythrée, au Niger et bien dans bien d'autres pays encore. Les bombardements par les grandes puissances ne régleront rien et ne feront que jeter encore plus de femmes et d'hommes et d'enfants sur les chemins d'une émigration imaginée salvatrice. La CGT soutient que la solution est politique, car chacun sait ici qu'aucun mur, aussi haut soit-il, qu'aucun garde-frontière, aussi armé et nombreux soit-il, qu'aucune loi aussi restrictive soit-elle, ne pourra jamais empêcher un être humain de quitter son pays, sa famille, ses amis, s'il n'a aucune perspective chez lui. La CGT estime qu'il y a là une double responsabilité, celle des États que je viens de décrire et celle des grands groupes,
notamment pétroliers, qui pillent les richesses des pays sans jamais se soucier du progrès social ni de l'environnement, exploitant ainsi la détresse humaine. Il faut changer de regard sur les travailleurs migrants. Ils ne prennent le travail de personne. Bien au contraire, ce sont à eux que l'on confie le plus souvent les tâches les plus ingrates et les plus pénibles. Ils contribuent à l'accroissement des richesses et à l'amélioration des comptes sociaux de la protection sociale, entre autres. Quant au chômage, le seul examen statistique démontre qu'il n'y a pas de corrélation entre immigration et chômage. Vous le savez, la CGT ne partage pas la préconisation sur l'application de la directive européenne dite « retour », même dans des conditions respectant les droits humains, parce qu'elle ne solutionne en rien la cause de la migration. Nul ne quitte son pays, on l'a déjà entendu, sans raison valable. Et le projet d'avis rappelle d'ailleurs les principales causes de migration. En outre, rappelons-nous le fiasco de la primo-retour pour les Roms, comme le désastre des Africains abandonnés en plein désert, sans eau ni nourriture, par des autorités marocaines. Toutefois, et compte tenu des nombreux amendements de la CGT retenus par le rapporteur, la CGT votera cet avis. Merci, Madame Crémond-Blanc. Au titre des associations, la parole est à Monsieur Francis Charon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Olivier, mes chers collègues, s'inscrivant dans une actualité brûlante, le projet d'avis examiné aujourd'hui traite pour autant un sujet universel, intemporel et complexe. Il a été construit et pensé avec hauteur, à distance du traitement médiatique. Notre groupe tient particulièrement à insister sur les efforts accomplis en matière de déconstruction des préjugés par un simple rappel de quelques faits. Le plus souvent, on ne migre pas par choix, mais par nécessité. Les migrations touchent en grande majorité des déplacements sud-sud. La France n'est plus une terre d'immigration majeure. Une fois dans le pays d'arrivée, les migrants connaissent des conditions de vie et de travail très difficiles. Nous nous réjouissons du regard juste et positif sur les migrants, loin des instrumentalisations politiques jouant sur les craintes des différences. Rappelons en effet que chaque migrant représente un facteur de richesse économique, sociale et culturelle. À cet égard, soulignons le travail effectué par des associations de migrants et plus largement par le monde associatif et des fondations dans le champ de la solidarité internationale et du développement. Ces organisations œuvrent à l'accueil et à l'accompagnement des migrants, que ce soit dans leur vie quotidienne ou en termes de défense de leurs droits, en y privilégiant une approche collective. Elles agissent aussi dans l'impulsion de projets de co-développement qui mêlent l'épargne des migrants et APD. Trois grands sujets ont retenu notre attention. D'abord, en matière de politique communautaire, nous souscrivons à l'ensemble des préconisations œuvrant au respect des droits fondamentaux des migrants. Adaptation du règlement de Dublin, soutien financier et matériel aux associations d'accueil des migrants, modernisation de la politique européenne de délivrance des visas. Notre groupe tient à alerter sur les dérives potentielles des hotspots et à leur possible transformation en lieu de rétention et de privation de liberté pour des migrants, notamment pour ceux localisés dans les pays ne respectant pas les droits de l'homme. Désormais actés par l'Union européenne, ceux-ci doivent demeurer temporaires, répondre à des situations d'urgence, afin de laisser place à une véritable sécurisation des parcours de migration. Dans le même esprit, nous rappelons à une refonte des missions de l'agence Frontex, de la surveillance exclusive des frontières vers un dispositif européen de sauvetage en mer. Deuxièmement, sur le plan de la gouvernance internationale, nous adhérons à la préconisation de renforcer les espaces de dialogue créés sous l'égide de l'ONU, tant sur la préparation et le suivi des grands sommets européens que sur les politiques publiques en matière de migration. Nous souhaitons que toutes les composantes de la société civile y soient associées dans toutes les étapes du processus. Enfin, la pauvreté, les inégalités sociales, les conflits armés, le changement climatique sont autant de facteurs à l'origine des migrations forcées des populations. Relever le niveau de l'APD nous apparaît donc comme une nécessité absolue, vous savez, le passage de 3% à 7%. Pour autant, afin de garantir une liberté d'autodétermination en matière de choix politiques locaux, cette aide au développement ne doit être soumise à aucune conditionnalité en termes de limitation du nombre des migrants au départ,
de mise en place de centres de rétention ou de retour forcé des migrants. Notre groupe regrette que cette position n'ait pas été retenue dans le projet d'avis. En dépit de cette réserve, notre groupe votera l'avis et je tiens à remercier, comme l'ont fait mes prédécesseurs à ce pupitre, le travail fait par le rapporteur, qui a été un travail compliqué, le travail pour des administrateurs de la section et du président, parce que quand on a commencé, on n'était pas bien sûr de savoir où on allait arriver. Ça, je crois qu'il faut le dire, c'était un peu panique à bord, et puis finalement, on s'en est bien sorti, et j'en suis content. Merci, Francis, Monsieur Charon. Au titre de CGT Info, la parole est à Madame Marie-Josée Milhomme. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Cette saisine du CESE a offert l'opportunité aux principales organisations de ce pays de s'exprimer sur la thématique sensible des migrations internationales au cœur de nombreux enjeux actuels et à venir. De façon dépassionnée et rationnelle, ce texte propose un point très rigoureux sur l'état des lieux en matière migratoire. FO partage largement les préconisations qui sont, pour la plupart, des revendications que nous portons depuis longtemps, tant au niveau national que dans des instances européennes et internationales. Ce projet d'avis met notamment l'accent sur la réalité des chiffres des migrations en France, bien loin des présupposés en la matière. Il contribue aussi à déconstruire des clichés et des contre-vérités sur la vision amplifiée du phénomène migratoire que notre organisation combat également et démontre à quel point il est nécessaire de faire preuve de pédagogie. Force ouvrière adhère à l'urgence de mettre en place un cadre clair pour la gestion des flux migratoires. L'idée de mettre en cohérence le traitement et la réflexion sur ces questions est primordiale s'agissant de solidarité européenne et plus particulièrement de gestion solidaire des frontières afin d'anticiper dorénavant tout mouvement migratoire. Concernant les accords de Dublin, FO estime également qu'il faut les suspendre dans l'immédiat et les reformuler totalement pour l'avenir. Pour FO, migrer dignement est un droit fondamental. Gérer collectivement et solidairement l'arrivée des réfugiés est un devoir. Mais au-delà du contexte actuel, nous estimons qu'il faut plus globalement et de façon plus pérenne mettre en place une politique européenne et internationale, sociale et solidaire en matière migratoire, respectueuse des droits fondamentaux. Dans un contexte de conflits limitrophes, l'Union européenne a toute sa responsabilité et un rôle majeur à jouer en portant ce dossier et en garantissant la libre circulation sur l'ensemble de son territoire. En parallèle, elle doit aussi inverser la tendance et mettre un terme aux politiques d'austérité qui favorisent le rejet de l'Union européenne et les replis identitaires. À cet égard, FO salue le lien permanent établi entre migration et droits de l'homme en en appelant au respect des droits fondamentaux des migrants et de leurs familles. Faire de l'immigration un facteur de développement dans l'intérêt des pays de départ et d'arrivée correspond aussi à notre vision. De plus, nous estimons que les organisations syndicales ont toute leur place dans les lieux de dialogue et de coopération consacrés à la thématique migratoire, car les migrants intégreront tôt ou tard le monde du travail et sont ou seront à terme des travailleurs. Le groupe FO tient à souligner le travail et l'engagement du rapporteur ainsi que de l'équipe administrative. Cette déclaration est également pour nous, en cette fin de mandature, l'occasion d'adresser à l'ensemble de la section nos remerciements pour ces années de travail et d'enrichissement mutuel. Vous l'avez compris, le groupe FO votera le projet d'avis. Merci. Merci, Madame Milhomme. Au titre des entreprises, la parole est à Madame Françoise Villain. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les conseillers, s'il y a un sujet qui est particulièrement d'actualité en ce moment, c'est bien celui des migrations.
La section des affaires européennes et internationales avait évoqué cette question dès le début de la mandature. Et nous sommes de ceux qui regrettent que nous ayons tant tardé à la mettre à l'ordre du jour de nos travaux, car ce sujet aurait mérité un plus grand recul par rapport à une actualité qui nous bouscule. Nous avons en effet une réelle responsabilité, au nom de la société civile, de faire en sorte que ce sujet soit traité de manière sereine et dépassionnée, en mettant en avant des propositions concrètes, favorisant la meilleure prise en charge possible des populations concernées, tout en assurant une maîtrise des flux migratoires. Tout d'abord, nous souhaitons remercier le rapporteur, Olivier Kirsch, d'avoir bien mis en exergue les données d'immigration en France comparées à celles des autres nations. Cet éclairage était nécessaire, en particulier pour nous détacher de certaines perceptions souvent erronées. Ensuite, il était également, à notre sens, nécessaire de mettre l'Europe au centre de notre avis. La question des flux migratoires est actuellement un défi majeur auquel seule l'Union européenne peut et doit apporter des solutions à la hauteur des enjeux. Le groupe des entreprises soutient l'essentiel des solutions proposées et qui nous ont été brillamment exposées tout à l'heure. Je n'y reviendrai pas. Même si nous nous interrogeons sur la viabilité de certaines d'entre elles, qui consistent à accroître les moyens destinés notamment à certaines ONG ou administrations, sans doute utiles, mais la question de l'origine des ressources à mobiliser n'a pas été abordée. Pour le groupe des entreprises, la problématique des migrations concerne l'ensemble de la société. Mais les entreprises sont elles-mêmes directement impactées, puisque, comme l'indique très bien l'AVI, l'une des principales motivations de migration est liée à la recherche d'un travail. Nous devons donc nous poser la question de l'attrait et de l'intégration de ces migrants dans nos entreprises. Les entreprises sont des structures, vous le savez, fragiles, dont la survie nécessite des arbitrages complexes qui ne laissent aucune place à des décisions hasardeuses. Nous avons, dans certains secteurs, de réels besoins de main-d'œuvre, notamment qualifiés, qui peuvent trouver leur réponse dans l'intégration des migrants. Mais ce n'est pas le cas partout. En tout état de cause, les entreprises ne peuvent pas prendre la place des pouvoirs publics, qui, eux, ont toute légitimité à définir le seuil acceptable par l'ensemble des acteurs de la prise en charge des migrants. Pour autant, nous avons conscience de la difficulté à apporter des réponses réalistes et pérennes à cette question, alors que les migrations sont susceptibles de s'accroître du fait des conflits actuels et latents, ainsi que des difficultés liées au climat ou aux conditions de subsistance de certaines populations. Ce fut un travail extrêmement intéressant et complexe mené par le rapporteur et par la section, et nous pensons qu'il mérite d'être poursuivi et approfondi dans la prochaine mandature, tellement cette question est et sera, vous l'avez tous dit, au cœur de notre société. Le groupe votera cet avis. Mais avant de conclure complètement, je voudrais remercier le rapporteur et les collaborateurs de la section, son président, et aussi l'administration, et notamment Marion Thomas et Gérard Chapignon, qui ont, au pied levé, compte tenu du grave accident de santé de Madame Bach, pris la relève avec beaucoup de courage et ont fourni un énorme travail dont nous avons tous été conscients. Qu'ils en soient remerciés. Et j'en profite, un dernier mot, pour souhaiter à Madame Bach, qui nous a accompagnés avec talent pendant toute cette mandature, vraiment un rapide et total rétablissement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Villain. Au titre des personnalités qualifiées, la parole est à Monsieur Bernard Kirchinger. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans mon intervention, j'ai choisi de m'éloigner pour partie de notre avis pour exprimer mon émotion et aussi mon désarroi. Mon émotion en voyant ces hommes, ces femmes, ces enfants qui fuient massivement leur pays en guerre et d'autres migrants qui se mettent en route pour échapper à la misère et au désespoir. Tous sont prêts à affronter les pires dangers pour trouver un refuge en Europe, chez nous. Pour tous, l'Europe est un havre de paix, de liberté et de prospérité. Et nous, quand je dis nous, c'est chacun de nous, en France et ailleurs, avons tellement de mal à leur tendre la main, à les accueillir et à accepter de partager un peu de nos richesses. Je voudrais aussi exprimer mon désarroi devant la situation politique.
Comment accepter que l'Europe se déchire et soit incapable d'organiser la solidarité pour aider les pays de premier accueil, comme la Grèce, l'Italie, la Slovénie ? Comment accepter que, pour beaucoup, la solution soit le repli sur soi pour protéger nos richesses et notre confort à l'abri de frontières illusoires ? Et que dire de ces murs, de ces barbelés qui à nouveau surgissent un peu partout en Europe, 25 ans seulement après la disparition du rideau de fer ? Les choses ne sont pas simples, tout s'entremêle, la géopolitique, les filières mafieuses, le terrorisme, les réfugiés, l'immigration légale et l'immigration illégale. Mais dans notre pays, le débat sur l'immigration est totalement biaisé depuis des décennies par des postures, par les fantasmes, par les amalgames, mais aussi par le déni des réalités. Même les chiffres avancés par les uns et les autres font l'objet de manipulations et les solutions extrêmes inspirées par la bêtise et la xénophobie se fracassent sur des postures naïves de ceux qui refusent de voir les réalités douloureuses. Pour combattre les extrêmes, il faut organiser le débat public et confronter les opinions sur les vraies questions, l'identité, la culture, la laïcité, les enjeux économiques, l'emploi, la sécurité. Il faut accepter d'écouter l'autre, celui qui exprime un point de vue différent. Dans notre section, nous avons convenu que l'avis serait pour l'essentiel consacré à la dimension internationale et européenne des migrations. Les questions épineuses, comme cela a déjà été souligné, ont été simplement effleurées sans plus. C'était un choix, mais cet avis que je voterai a l'immense mérite d'exister. Il permet de clarifier les termes du débat, de mettre un peu de rationalité dans la réalité des migrations internationales et d'aborder la question des politiques européennes et de faire quelques recommandations dans ce domaine. Mais il permet surtout à notre Assemblée d'entrer progressivement dans ce vrai débat public, nécessaire et urgent. Et notre Assemblée doit poursuivre ce débat au cours de la prochaine mandature. Comme d'autres, merci à Olivier, merci à notre président Yves Verrier, à tous les membres de la section et aussi au personnel d'avoir osé aborder cette question des migrations, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kirkinger. Au titre des personnalités qualifiées, la parole est à monsieur Gérard Asquerri. Monsieur le président, chers collègues, cher Olivier, dans un passage célèbre de son projet de paix perpétuelle, Emmanuel Kant affirmait que la Terre étant une sphère, elle ne permet pas aux hommes de se disperser à l'infini, mais les contraint malgré tout à supporter leur propre coexistence. Et il dit « Personne à l'origine n'ayant plus qu'un autre le droit de se trouver en un endroit de la Terre qu'à un autre. » De là découlait pour lui le devoir d'hospitalité. Si je fais cette citation, ce n'est pas par souci de pédantisme, mais parce qu'il me semble qu'elle est toujours d'actualité et que plus que jamais, elle nous indique la hauteur de vue avec laquelle nous devons considérer la question des migrations, ou plus exactement, selon moi, des mobilités humaines. Et le premier mérite de ce projet d'avis, est d'avoir choisi un point de vue et une focale qui rompent avec des visions myopes ou faussement techniques et avec des instrumentalisations politiciennes pour nous faire apercevoir la juste mesure, la complexité et la flexibilité des phénomènes migratoires. Trop souvent, en effet, on utilise des termes tels que flux, appel d'air, qui nous font oublier qu'il s'agit non pas de phénomènes physiques ou mécaniques que l'on gère avec des vannes et des tuyaux, mais de phénomènes humains inscrits dans une histoire, une géographie, une société, phénomènes qui sont par conséquent fortement évolutifs et complexes et qu'il faut traiter comme tels. En second lieu, représentant de notre Conseil au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, je ne peux que me réjouir de constater que l'avis préconise une politique globale et cohérente autour de deux axes majeurs, les droits de l'homme et les politiques de développement. Et je me félicite qu'il prône en Europe des démarches solidaires, fondées là aussi sur le respect des droits qu'affichent les textes fondamentaux de l'Union, et que les propositions d'évolution des textes qu'il contient allient la nécessité d'une politique cohérente et maîtrisée, avec le souci d'un traitement humanitaire
et celui du respect des droits de l'homme. Permettez-moi cependant d'exprimer quelques regrets. Par exemple, celui qu'en matière de politique de développement, la nécessité de veiller à une éducation de qualité ne soit pas plus explicitement mentionnée. De même, si le texte mentionne en des termes forts la situation des migrants à Calais, reprenant d'ailleurs l'avis de la CNCDH de juillet dernier, je regrette qu'il ne s'interroge pas plus, s'agissant de relations internationales, sur les accords bilatéraux qui font que la France joue pour un pays étranger, en l'occurrence le Royaume-Uni, le rôle ingrat de garde-frontière et qui aboutissent de facto à créer une zone de non-droit. Il n'en reste pas moins que ce texte constitue, à mes yeux, une contribution importante et courageuse de notre Assemblée pour éclairer le débat public, une démarche qui ne peut que l'honorer. Je le voterai donc sans réticence. Merci. Merci, Monsieur Asquerri. Au titre de la CFDT, la parole est à Monsieur Christophe Quarez. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Olivier, chers collègues, dans le contexte de crise européenne face à le flux de migrants que nous connaissons, traiter sereinement des enjeux des migrations internationales demande du courage, des convictions et de l'objectivité. Or, nous manquons cruellement d'études approfondies sur l'apport des migrants, notamment dans le domaine socio-économique. Entre l'émotion légitime suscitée par les drames humains et les fantasmes collectifs entretenus par la désinformation à des fins de récupération politicienne, la section et son rapporteur ont réussi à proposer un avis qui se projette sur le moyen et le long terme. La première partie de l'avis permet de clarifier les termes du débat et de dresser un état factuel des phénomènes migratoires et de leurs évolutions. Contrairement à ce qu'affirment certains, la France n'est pas une terre d'immigration majeure. Avec 6,4% d'étrangers, elle se situe au cinquième rang européen. Autre réalité qu'il est important de rappeler, les différentes catégories de migrants, migrants économiques, demandeurs d'asile, étudiants, réfugiés climatiques, clandestins, regroupements familiaux, ne sont pas imperméables. Par exemple, un réfugié politique, c'est le cas aujourd'hui des Syriens, devient à terme un migrant du travail. La vie rappelle à juste titre qu'on ne migre pas par choix, mais par nécessité. Ce n'est pas par choix que la majorité des demandeurs d'asile paient des fortunes à des trafiquants sans scrupules pour traverser la Méditerranée au risque de leur vie, alors qu'un billet d'avion pour l'Europe est beaucoup moins cher et sécurisé. Au plan international, la CFDT soutient la recommandation de l'avis visant à garantir plus de cohérence entre les différentes enceintes chargées des questions migratoires, ONU, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, OIT, Organisation internationale des migrations. Nous soutenons également la nécessité de favoriser une politique de co-développement plus efficace par des accords bilatéraux respectant les droits de l'homme et la dignité humaine. Au plan de l'Union européenne, il est regrettable que des États membres rendent la politique migratoire aussi peu solidaire. Au moment où des murs se dressent et où l'espace Schengen commence à être remis en cause, il y a un besoin urgent d'une politique européenne globale pour répondre à la crise migratoire. L'Europe, espace unique de liberté et de circulation des personnes, a besoin de plus de solidarité pour ne pas laisser le pays de premier accueil gérer seul la prise en charge des migrants. À cette fin, l'avis propose à juste titre de tendre vers des règles partagées en matière d'asile permettant le dépôt d'une demande d'asile dans un autre pays que le pays d'accueil. Il convient par ailleurs d'assurer une gestion solidaire des frontières par un redimensionnement de Frontex, par une coopération judiciaire renforcée pour lutter contre les réseaux criminels de passeurs et un système européen de garde-frontières. La CFDT votera l'avis. Merci, Monsieur Carrez. Au titre de la coopération, la parole est à Madame Marie de l'Étoile. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, le projet d'avis présenté aujourd'hui est mis en lumière par l'actualité brûlante liée à la crise des migrants. La mise en perspective des migrations au niveau international a toute sa pertinence pour tenter d'appréhender des réalités complexes qui ne sauraient être traitées que par le prisme de l'émotion. Le groupe de la coopération a apprécié l'approche équilibrée qui sous-tend le projet d'avis, qui veut concilier humanisme et réalisme. L'état des lieux nous amène ainsi
à relativiser les chiffres de la réalité migratoire de notre pays. Mais sans tomber dans l'angélisme, les problèmes d'intégration particulièrement sensibles en temps de crise ne sont ainsi pas occultés. L'Union européenne constitue un espace unique de libre circulation des personnes. Elle est confrontée à une crise migratoire sans précédent qui risque de durer. Face à ce défi, les États membres sont condamnés à l'impuissance s'ils continuent d'agir de façon aussi désordonnée. Il est urgent de définir une stratégie européenne commune qui passe notamment par une gestion solidaire des frontières, comme le demande le projet d'avis. Une clarification du cadre juridique est ainsi proposée, assortie d'une palette de mesures. Nous ne reviendrons pas sur les détails de ces propositions que nous soutenons globalement. Nous mesurons cependant la difficulté de distinguer des situations individuelles très diverses dans des catégories administratives. Qu'est-ce qu'un migrant ? Qu'est-ce qu'un réfugié ? Qu'est-ce qu'un pays d'origine sûre ? Si les États membres ne peuvent agir seuls, l'Union européenne ne le peut non plus. Elle doit s'appuyer sur le savoir-faire des autres institutions internationales, l'OIT, sur laquelle l'avis insiste, et aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont l'expérience est incontournable dans la situation actuelle. L'avis insiste également sur l'aide au développement. Il s'agit en effet de gérer les flux migratoires en trouvant des solutions avec les pays d'origine des migrants ainsi qu'avec les pays de transit. Dans cet esprit, une relance d'une politique euro-méditerranéenne aurait toute sa pertinence. Le gouvernement français vient de mettre en place au Niger un premier centre de prévention des départs et d'aide au retour avant d'étendre cette première expérimentation. C'est une voie à poursuivre. Plus largement, il convient de mettre en place une politique de développement plus efficace pour donner à la jeunesse d'autres perspectives d'avenir. Nous soutenons dans les processus de développement des partenariats Nord-Sud multi-acteurs impliquant la société civile. Les coopératives mesurent chaque jour ce qu'apporte l'implication des acteurs dans la prise en charge de leur propre devenir. La lutte contre la pauvreté ne s'inscrit pas que dans l'urgence. Elle implique également de chercher à réunir les conditions d'autosuffisance et d'autonomie sur lesquelles repose une réelle émancipation. La nature du projet européen et son avenir sont aujourd'hui questionnés et même ébranlés. Les questions abordées sont tout d'abord humanitaires devant l'urgence de la situation actuelle, mais aussi et surtout politiques et économiques. Le monde est en mutation et des conflits s'exacerbent dans certaines régions du monde. Une logique affective et humanitaire de court terme ne peut remplacer une stratégie politico-juridique plus globale auquel ce projet de vie nous semble pouvoir contribuer avec sérénité. Monsieur le rapporteur, le groupe de la coopération vous félicite et votera en faveur du projet de vie. Merci, Madame de l'Étoile. Au titre des professions libérales, la parole est à Monsieur David Gordon-Krief. Monsieur le Président du CESE, Monsieur le Président de notre section, cher Yves, Monsieur le Rapporteur, cher Olivier, et puis certains l'ont dit avant moi, toute la section, et je pense évidemment à Isabelle Bach, avec laquelle nous avons passé ces 5 dernières années, 5 années de travaux, de convivialité et de réflexion sur tout un tas de sujets qui m'ont enthousiasmé, et je souhaite à la prochaine mandature autant de bonheur dans cette section. Merci, et merci pour cet excellent dernier travail, mon cher Olivier. La crise humanitaire actuelle met le sujet des migrations au cœur de l'actualité. Même si elle suscite une émotion collective, le débat doit être abordé sereinement. En prenant du recul et de la hauteur, cet avis n'est pas tombé dans le piège. C'est précisément cette approche qui a guidé le travail engagé. Les facteurs de migration sont connus. Fuite de la pauvreté ou des zones de conflit, recherche d'emploi ou de meilleures conditions de vie. À cela s'ajoutent des mouvements migratoires liés au changement climatique, dont l'amplitude est devenu un marqueur fort de déplacement des populations. On sait que les questions autour de l'exode des populations ne peuvent être envisagées au seul échelon national. Elles imposent évidemment une mobilisation, une coordination entre tous les acteurs impliqués pour un traitement juste des travailleurs migrants. Agir dans les pays d'origine pour que la migration devienne un choix et non une nécessité. Assurer le respect des droits de l'homme et donc des droits du travail pour l'ensemble des migrants. Garantir le recrutement équitable et l'égalité de traitement pour les travailleurs migrants. En vertu de ses valeurs fondatrices, l'Union européenne a le devoir de porter assistance aux migrants en situation de détresse, qu'il s'agisse d'arriver par voie maritime ou terrestre, et de lutter contre les filières criminelles de passeurs. L'avis rappelle qu'il ne faut pas laisser un pays de premier accueil gérer seul, souvent avec des moyens insuffisants.
la prise en charge des personnes démunies. L'avis plaide à juste titre pour une politique migratoire européenne commune, avec une mutualisation des moyens et coordination des pratiques. Le CESE estime que l'Union européenne ne peut agir seule, tant les missions sont lourdes. La solution réside, entre autres, cela a déjà été dit, en un soutien renforcé à la bonne gouvernance, au décollage des pays en développement, grâce notamment, comme tu le recommandes, comme l'avis le recommande, à la relance de l'aide au développement, dont le niveau reste évidemment et malheureusement en deçà des objectifs fixés. Elle réside également à la reconstruction des États en totale déliquescence, en l'amélioration de l'état de droit, cela fut un des avis que nous avons portés, de l'efficacité des institutions et des administrations, en particulier budgétaires, pour combattre la corruption et l'évasion fiscale. Toutes ces actions doivent être au cœur d'un partenariat et se traduire par des engagements tangibles et fermes de la part des pays bénéficiaires, avec l'idée de favoriser le retour des migrants dans leur pays d'origine. L'Union européenne reconnaît l'apport nécessaire de l'immigration, notamment dans le cadre du vieillissement prévisible de sa population, mais elle reconnaît parallèlement une impossibilité à accueillir l'ensemble des réfugiés se pressant à l'entrée de l'espace européen. La dégradation de la situation économique des pays d'accueil a mis en lumière les difficultés d'intégration des migrants auxquels ils ne peuvent pas toujours assurer une prise en charge décente. Dans un article du Monde, Hubert Vétrine écrivait « L'immigration n'étant soit ni une chance ni une catastrophe, elle peut être l'une ou l'autre, selon la façon dont elle est gérée et expliquée. La vie a mis en exergue les défis auxquels l'Union européenne est confrontée, défis qui entourent la question des travailleurs migrants, et a tenté de formuler des réponses constructives. Bien entendu, vous l'avez compris, notre groupe votera avec enthousiasme cet avis. » Merci, Monsieur Gordon-Krieff. Au titre de la CFE-CGC, la parole est à Madame Isabelle Couturier. En préambule, la CFE-CGC tient à remercier les administrateurs, son président et bien sûr le rapporteur pour cet avis. Pour différents motifs, la gestion des flux migratoires est devenue depuis le début des années 80 un problème central pour les pays membres de l'Union européenne. Le début d'une crise économique mondiale et l'implosion des régimes communistes d'Europe de l'Est et d'Asie ont marqué un tournant en matière de migration et d'asile sur fond de violents conflits interethniques, de guerres, de déplacements de masse. Ainsi, le sujet que nous examinons aujourd'hui a pu susciter de vifs débats au sein de la section. Et il convient de souligner la remarquable attitude du rapporteur à avoir pacifié ce débat qui touche avant tout à notre humanité. La mise en place graduelle d'un régime de contrôle européen embryonnaire a procédé en premier lieu d'une perception commune parmi les membres de l'Union européenne de la nécessité d'une action multilatérale visant à éviter que les migrations et les mouvements de réfugiés ne deviennent incontrôlables et à apaiser les craintes des citoyens quant à une aggravation des inégalités sociales liées à l'immigration. Le présent projet d'avis témoigne au demeurant du consensus indispensable à l'apaisement des esprits et la capacité de notre Assemblée à y tendre. Outre le sentiment partagé de la nécessité d'une collaboration intergouvernementale, le processus d'harmonisation dans le domaine de la migration et de l'asile a résulté aussi d'une nécessité fonctionnelle, conséquence logique du processus d'intégration européenne. Au-delà de l'état des lieux plutôt exhaustif de la situation et faisant suite aux anciennes approches plus humanitaires ou basées sur des critères économiques, le projet d'avis adopte une vision plus réaliste du sujet. La CFE-CGC ne peut que partager les préconisations, cela d'autant plus qu'elle propose de revenir aux fondamentaux en invitant les États, et notamment ceux de l'Union européenne, à fonder une politique migratoire sur les principes des droits de l'homme. La CFE-CGC appelle cependant à être vigilant afin de ne pas tomber dans le travers de certains textes nationaux ou internationaux qui, en lieu de droit, formulent davantage des aspirations qui, si généreuses qu'elles soient, ne peuvent trouver place dans l'ordre juridique. En effet, soit que l'objet de ces droits reste vague, voire impossible, soit que nul ne sache à qui les opposer, de telle sorte que l'éventualité d'une sanction relève à leur égard de l'utopie. La CFE-CGC souhaite donc rappeler cette vérité élémentaire que l'on oublie quelquefois dans les couloirs onusiens ou de l'UNESCO, que les droits de l'homme sont d'abord des droits, au sens plein, que les juristes savent lui donner, c'est-à-dire qui confèrent à ceux qui en sont titulaires des possibilités d'action opposables aux autres et dont l'ignorance appelle une sanction.
Face à l'inflation verbale autour du concept des droits de l'homme, il convient inlassablement de répéter que les droits de l'homme, dans l'esprit de 1789 et de 1948, ne définissent pas une espérance lointaine, mais doivent être des droits au sens plein du terme. La CFE-CGC votera donc le projet d'avis. Merci, Madame Couturier. Au titre de l'Outre-mer, la parole est à Monsieur Christian Lédé. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Voilà bien longtemps, en effet, que notre section s'interrogeait sur cette question de l'enjeu planétaire des migrations internationales qui, à intervalles réguliers, revient avec plus ou moins de gravité dans les préoccupations de nos contemporains et de nos gouvernants, à nouveau réunis hier sur ce sujet d'ailleurs. La crise qui sévit depuis quelques mois, cette crise des migrants, donne à votre texte, monsieur le rapporteur, une résonance et un intérêt tout à fait exceptionnels. Les préconisations qui y sont formulées ont le mérite de la clarté et de la précision. Ainsi, vous soulignez tout d'abord la nécessité impérieuse d'avoir une approche globale de la gestion de ce problème, tout en mettant en place une stratégie de long terme. Qui pourrait imaginer en effet qu'un pays puisse se prévaloir de disposer des moyens adéquats et nécessaires pour répondre seul aux défis qui lui sont ainsi lancés ? Vous insistez également sur le devoir qui s'impose à tous les États concernés, de lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités. Nous partageons votre analyse. Aider en effet au développement économique dans les pays qui se vident de leurs habitants est là encore, selon nous, indispensable. Vous préconisez enfin l'instauration de règles partagées par tous les États concernés en matière d'asile, pour permettre notamment à tout demandeur de s'adresser au pays de son choix et non obligatoirement au premier pays d'accueil. Ce sont là des recommandations auxquelles notre groupe adhère, en rappelant toutefois qu'une Europe qui se veut forte et solidaire se doit de prendre toute sa part dans cette action internationale. Et puis bien sûr, monsieur le rapporteur, nous nous réjouissons que vous ayez pu faire référence à la situation en Outre-mer, situation qui n'est pas anodine. Certes, vous indiquez à raison que certains de nos territoires, comme Mayotte ou la Guyane et même Saint-Martin, sont davantage concernés que les autres. Pour autant, ce sont tous les territoires ultramarins qui ont à gérer une situation difficile en matière d'immigration. Un rapport publié en 2012 sur les tendances démographiques et migratoires dans les régions ultrapériphériques indique à ce sujet, par exemple, que le nombre d'étrangers irréguliers dans les territoires ultramarins peut varier de 0,2% à 19,4% de la population d'un territoire. Il y est précisé également que si les demandes d'asile sont peu nombreuses en Outre-mer, elles y sont traitées assez rapidement, et ce, à hauteur de 80%, pour un taux d'acceptation toutefois qui varie de 5% aux Antilles-Guyane à 12% à La Réunion. Ces quelques chiffres officiels, sans doute largement dépassés aujourd'hui, nous le savons, illustrent à eux seuls l'acuité du problème dans nos régions. Monsieur le rapporteur, cher Olivier, notre groupe salue sincèrement la qualité du travail effectué avec vous en section et aussi votre disponibilité et votre écoute. Nous voterons donc ce projet d'avis. Merci, monsieur Lédé. Au titre des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, la parole est à madame Marie Trélucane. Voilà de nombreux mois que notre section envisageait, sous l'impulsion notamment de notre rapporteur Olivier Kirsch, de travailler sur les enjeux des migrations internationales. L'actualité nous a rattrapés, rendant ce travail d'autant plus délicat et nécessaire à la fois. Il nous semble que notre section a réussi à faire ce que le CESE se devait de faire, prendre de la hauteur et garder une vision large et de long terme. La première partie de ce projet d'avis nous permet de prendre du recul et nous l'espérons de mettre un terme aux idées reçues. Non.
contrairement à ce que l'on pense, la France ne connaît pas un afflux d'immigrés sans précédent. D'après le dernier rapport de l'INSEE paru le 13 octobre, 8,9% seulement de la population française est immigrée, c'est-à-dire née à l'étranger, et plus de la moitié de ce petit pourcentage étant qui plus est aujourd'hui nationalité française, soit 3,6 millions d'étrangers en France, 3,6 sur 66 millions de Français. Donc, d'après mes calculs, ça fait plutôt 5,4% d'ailleurs que les 6,4%, c'est-à-dire encore moins que ce qu'on annonce depuis tout à l'heure. Oui, en revanche, il fait partie des fondamentaux même et de l'histoire de notre pays et de notre continent d'accueillir ceux qui fuient les guerres et les dictatures et la pauvreté. Si le XXe siècle a réellement été le siècle des réfugiés, avec l'accueil successivement des Arméniens, des Italiens fuyant le fascisme, des Juifs allemands ou encore des Républicains espagnols, notre pays était déjà terre d'accueil à la fin du XVIIIe siècle. Nous parlons aujourd'hui de l'accueil de 25 000 migrants. Mais ce sont 500 000 réfugiés espagnols que nous avons accueillis en 3 ans, entre 1936 et 1939. Avoir peur aujourd'hui des phénomènes migratoires au nom de la préservation d'une soi-disant identité nationale, c'est vouloir renoncer à ce qui fait justement l'une des valeurs fondamentales de notre identité nationale et européenne. C'est pourquoi l'ensemble des recommandations formulées dans cet avis, rappelant l'importance de garder en fil conducteur de toute décision politique le respect des droits humains et les valeurs qui ont fondé l'Union européenne, nous semble raisonnable car mesurée. Elle lie la nécessité de renforcer les politiques d'aide au développement et d'accélérer l'agenda international de promotion des droits humains et la nécessité de travailler à des politiques de migration concertées et solidaires au niveau européen. À ce titre, nous souhaitons insister sur la nécessité de développer massivement l'aide au développement de manière inconditionnelle. C'est une urgence et un devoir. Comment pouvons-nous accepter encore aujourd'hui que 80% de la population mondiale doivent se contenter d'à peine 5,5% de ses richesses et que les 1% les plus fortunés posséderont bientôt la moitié de cette richesse ? Rappelons, Francis Charon l'a fait tout à l'heure, que nous sommes, les pays occidentaux, engagés à consacrer à l'aide au développement 0,7% de notre revenu national brut. Même la France plafonne aujourd'hui à 0,4%. Bref, nous souhaitons également insister, comme nous l'avons d'ailleurs fait souvent au cours de cette mandature, sur la nécessité de lutter aussi contre l'évasion fiscale des entreprises, notamment internationales, dans les pays en développement. C'est un phénomène qui contribue à la pauvreté des États et des populations, et donc au phénomène migratoire. Rappelons que le manque à gagner pour les États de l'évasion fiscale des multinationales, c'est 500 milliards de dollars, c'est-à-dire quasiment 5 fois l'aide internationale au développement. Sur un tout autre plan, à savoir celui de la gestion des flux migratoires sur le territoire européen, nous rappelons le besoin de faciliter la reconnaissance au sein de l'espace Schengen et de l'Union européenne des diplômes acquis dans les pays d'origine et dans les autres pays européens. Pour finir, nous tenons également, comme tout le monde je crois l'a fait, à remercier, moi je remercie aussi les groupes qui ont eu à cœur de veiller à ce que cet avis garde son fil conducteur humaniste. Il y a eu des grands débats, mais on a réussi à garder ce fil conducteur. Remercier le rapporteur qui, honnêtement, a vraiment su faire preuve d'une réelle écoute afin d'intégrer au mieux les contributions de chacun sur un sujet quand même sensible sur lesquels les divergences de points de vue initialement pouvaient être assez fortes. Bravo également au président Verrier pour sa capacité à faire la synthèse dans des moments un peu tendus et à l'administration de la section qui a fait un énorme travail dans des conditions difficiles. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur du projet d'avis. Merci, Madame Marie Trélucane. Au titre de l'agriculture, la parole est à Monsieur Guy Vasseur. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la section, Monsieur le Sénateur, Monsieur le représentant du Conseil économique et social européen, Monsieur le rapporteur, cher Olivier, Mesdames, Messieurs, chers collègues, d'abord un mot pour nos administrateurs qui nous ont accompagnés sur ce projet, sur ce projet d'avis, mais qui nous ont accompagnés pendant 5 ans, et un mot particulier par rapport à Isabelle Bach, en lui souhaitant un retour au CESE le plus rapide possible. Cher Olivier, tu as voulu, avec volonté et compétence, prendre la responsabilité d'un avis qu'on a tous qualifié de délicat. Je voudrais te féliciter d'avoir mené à bien ce travail
qui aurait pu nous perdre les uns et les autres, nous diviser et ne pas aboutir. Tu as souhaité dès le départ que notre institution soit capable de prendre du recul et de la hauteur, tu l'as dit tout à l'heure, sur cette question, et ne soit pas guidée uniquement par l'émotion d'une actualité qu'on n'avait pas prévue, mais qui était à la fois forte, prenante, dramatique. Les auditions nous ont beaucoup aidés à placer la question dans une dimension très large. Les données statistiques sur les mouvements de population sont essentielles pour prendre la mesure de la question migratoire et par conséquent pour mettre en place les dispositifs nécessaires. Deux grandes problématiques sur la question migratoire doivent être bien distinguées et bénéficier de mesures différentes. Il ne faut en effet surtout pas mélanger les causes et les effets des migrations. D'un côté, pour traiter les causes, nous avons à mettre en place des dispositifs pensés sur le long terme avec l'ensemble de la communauté internationale et surtout avec l'appui des pays d'origine. De l'autre, pour gérer les effets, il faut être en mesure avec l'ensemble des pays européens. Ça doit être un positionnement, une démarche, une politique européenne, mais n'oublions pas aussi d'autres pays développés pour accueillir convenablement les nouveaux arrivés. Mais sur ce dernier point, il ne faudrait pas que certains pays, derrière le paravent de déclarations humanitaires, fassent venir une main-d'œuvre bon marché, exonérée de toute charge sociale et concurrençant de manière déloyale les États membres qui appliquent la réglementation. Je ne vise personne. C'est une réalité à laquelle est confronté en particulier le secteur agricole, mais pas que le secteur agricole. Toutefois, d'une façon générale, il serait paradoxal dans cette économie mondialisée qui permet aux marchandises, aux capitaux de circuler largement, que seuls les hommes soient empêchés de tout mouvement. Il n'en demeure pas moins que chacun doit avoir le droit de s'épanouir dans son pays. À ce titre, les organisations agricoles nationales et internationales développent de nombreux partenariats, en particulier dans les pays d'Afrique, pour aider au maintien et au développement des économies agricoles locales au bénéfice des populations et des territoires environnants. Monsieur le rapporteur, mon papier dit « vous », mais je l'ai changé à chaque fois. Tu es parvenu à exprimer des préconisations équilibrées et évidemment, le groupe de l'agriculture votera cet avis. Merci. Merci, monsieur Vasseur. Au titre de l'environnement et de la nature, la parole est à madame Céline Mesquida. Monsieur le Président, chers collègues, cher Olivier, ce qui secoue l'Europe depuis plusieurs mois, avec l'arrivée de plusieurs centaines de milliers de migrants, fuyant pour leur grande majorité des zones de guerre ou de conflit, n'échappe pas à la triste réalité du jeu politico-médiatique. Alors que le mandat de notre Assemblée arrive à son terme, notre groupe apprécie qu'un sujet aussi délicat ait été pris à bras le corps dans toute sa complexité, avec la hauteur de vue que l'on se doit d'exiger de nos travaux. Un grand bravo à notre rapporteur, au président de section, aux administrateurs et à l'ensemble des conseillers qui ont permis des débats apaisés et un projet d'avis de qualité. Le constat posé dans ce projet d'avis permet tout d'abord de clarifier les contours d'un sujet très vaste. Les migrations internationales sont en effet relativement faibles comparées aux migrations internes à un même État. Les migrations entre États du Sud sont désormais équivalentes aux migrations des États du Sud vers ceux du Nord. Et concernant plus particulièrement les migrations en France, le projet d'avis note avec justesse le décalage trop souvent source de confusion entre la réalité des chiffres et les perceptions qui sont liées à ces migrations. La France n'est plus une terre d'immigration majeure, contrairement à nombre de ses voisins européens. La difficulté d'une gouvernance internationale efficace de ces flux migratoires réside en outre dans la diversité des visages que peuvent prendre les déplacements de populations. Face à la complexité des différents statuts de migrants, souvent hybrides ou mal définis, l'agenda international doit impérativement être celui des politiques de développement, tout autant que de la lutte contre le dérèglement climatique.
À quelques semaines de la COP21, rappelons à quel point les engagements financiers pris à Copenhague, dont tu as parlé, Olivier, tout à l'heure, pour les pays les plus vulnérables, doivent être tenus. Tout comme, bien sûr, et ça a été rappelé, les objectifs financiers qui sont liés à l'aide publique au développement. Notre groupe est bien sûr attentif aux défis que posent plus particulièrement les déplacements de populations qui sont inédits de par leur ampleur et liés aux dégradations environnementales et bien sûr aux dérèglements climatiques de manière générale. Ce défi touche à la fois des dimensions politiques, institutionnelles, juridiques, et force est de constater que le cadre juridique actuel est ancien, inadapté, et qu'une évolution des conventions internationales nous semble nécessaire. S'agissant plus spécifiquement des migrations au sein de l'Union européenne, notre groupe partage l'impératif absolu de fonder toute politique publique sur les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Alors que les tentations sont grandes, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, au sein de l'espace Schengen, d'un repli identitaire et nationaliste de la part des États, la solidarité européenne dans la gestion de la crise doit plus que jamais guider l'action. Le projet d'avis pose en ce sens des pistes pertinentes. Mutualisation des moyens financiers, harmonisation des règles en matière d'asile, soutien aux associations venant en aide aux migrants, gestion solidaire des frontières et élargissement des compétences de Frontex. Et enfin, pour conclure, au-delà des nombreuses pistes évoquées dans le projet d'avis, nous soulignons l'importance, peut-être, d'aller plus au cœur des racines de cette crise des migrants aux frontières européennes, ce que fait peu le projet d'avis. En effet, les crises et les conflits au Proche-Orient notamment sont aussi le fait des politiques étrangères qui sont menées depuis le début des années 2000 par de nombreux pays. Malgré cette réserve, nous voterons ce projet d'avis. Merci Madame Mesquida. Au titre de l'UNAF, la parole est à Madame Christiane Théry. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en référence à la Convention internationale des droits de l'enfant, à la Journée mondiale de la paix en 2005, où Jean-Paul II rappelait ceci, « L'appartenance à la famille humaine confère à toute personne une sorte de citoyenneté mondiale, lui donnant des droits et des devoirs. Les hommes étant unis par une communauté d'origine et de destinée suprême. Il suffit qu'un enfant soit conçu pour qu'il soit titulaire de droits, qu'il mérite attention et de soins, et que chacun ait le devoir d'y veiller. La condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux réfugiés, la mobilisation de la solidarité internationale envers les plus nécessiteux ne sont que des applications cohérentes du principe de la citoyenneté mondiale. 10 ans plus tard, par le présent projet d'avis, vous redonnez corps, Monsieur le rapporteur, au principe de la citoyenneté mondiale en l'actualisant de nouveaux flux migratoires que représentent les déplacés environnementaux. Le groupe de l'UNAF tient à souligner l'approche pédagogique du projet d'avis concernant les détails des règles internationales et européennes applicables en matière de flux migratoires, recouvrant des réalités contrastées et complexes. L'avis souligne par exemple l'existence de l'article 78.3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui permet en cas de crise de ne pas laisser à un pays de premier accueil gérer seul, avec des moyens insuffisants, la prise en charge de personnes. Le groupe de l'UNAF partage dans leur ensemble les préconisations de l'avis et tient à en souligner certaines. L'UNAF, dans sa mission de représentation de toutes les familles françaises et étrangères vivant légalement sur le territoire et les associations familiales qui développent au quotidien avec les familles de toutes origines des actions citoyennes, démontre à l'évidence tout l'intérêt qu'il y a de ne pas lier insécurité et regroupement familial, mais au contraire, de lui reconnaître de véritables gages de meilleure intégration. À ce titre, le groupe de l'UNAF soutient la préconisation d'une application plus effective des clauses de Dublin III, des
Ces dernières impliquent une étroite coopération entre pays de l'Union européenne afin que les membres d'une même famille, installés dans différents États de l'Union, aient la possibilité d'être rassemblés au sein du pays de l'Union européenne auprès duquel le demandeur d'asile a déposé sa requête. Nous soutenons également fortement la préconisation qui en appelle à volonté et la détermination des États membres pour lutter résolument contre les réseaux criminels de passeurs. Là aussi, les textes européens existent pour réprimer ces activités illégales. Reste à ce que les partenaires européens se mettent autour de la table pour en discuter et décider de s'en donner les moyens techniques et financiers. Le groupe de l'UNA vous remercie, Monsieur le rapporteur, pour ce travail et votera l'avis. Merci, Madame Théry. Au titre de la mutualité, la parole est à Monsieur Gérard Andrec. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Que dire d'original lorsqu'on a tiré le dossard numéro 17 ? Voilà. Et donc, je vais m'associer, comme les autres, et ça je le fais avec beaucoup de plaisir, aux félicitations aux rapporteurs, aux présidents de section, aux administrateurs, à toute l'équipe qui a beaucoup œuvré pour que nous puissions terminer ce travail de qualité dans les délais. Et donc je me bornerai ensuite à y ajouter une petite touche mutualiste. Comme le souligne le titre de l'avis, les migrations internationales relèvent d'un enjeu planétaire, ce qui implique d'agir collectivement. La migration est un phénomène aussi ancien que l'humanité et les raisons qui conduisent les hommes à migrer sont multiples. La crise actuelle au cœur de l'actualité ne doit pas déformer la réalité d'ensemble et le groupe de la mutualité remercie le rapporteur d'avoir supposé un regard équilibré et humain qui éloigne des manipulations simplistes que l'on entend trop souvent sur un tel sujet. Attaché aux valeurs de solidarité et de responsabilité, le mouvement mutualiste est attentif à une vision qui respecte les valeurs. Le groupe de la mutualité est particulièrement sensible aux conditions de vie de plus en plus dégradées des migrants dans les lieux où ils sont rassemblés. Ainsi, la récente annonce d'améliorer les conditions d'hébergement des migrants, déterminantes pour leur état de santé, et de mener des actions de prévention sur le terrain, faites conjointement par les ministères de l'Intérieur et des Affaires sociales, suite aux conclusions d'une mission médicale sur le site de Calais, va dans le bon sens. Cette mission propose en effet de renforcer les moyens de la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier de Calais et d'installer un véritable pôle de soins de proximité en augmentant ses capacités d'accueil et de prise en charge sanitaire. C'est un bon exemple. Ces mesures seront prises en relation étroite avec l'ensemble des parties prenantes impliquées sur le terrain, ce qui représente pour le groupe de la mutualité un gage d'écoute et de réussite. À ce sujet, il salue tout particulièrement les actions mises en œuvre par les ONG et les associations qui viennent en aide aux migrants et qui les soutiennent dans leur démarche. Il appuie toute mesure visant à soutenir leurs actions. Au-delà des actions d'Europe, il est également essentiel, et ça a été déjà dit, de conforter les politiques de développement. Si nous pouvons noter quelques avancées dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, les résultats restent insuffisants, notamment en matière de santé et pour l'instauration de socles de protection sociale. Pour cela, il est important de s'engager dans la mise en place de nouvelles sources de financement public additionnelles au budget de l'aide publique au développement et notamment par l'instauration d'une taxe internationale sur les transactions financières, comme le souligne le projet d'avis. Enfin, comme également souligné, les débats actuels doivent être l'occasion d'ouvrir la discussion sur la définition d'une politique européenne migratoire commune et d'en poser les termes. En conclusion, il est donc désormais urgent de trouver les moyens pour que le cercle entre solidarité, responsabilité et confiance mutuelle redevienne vertueux. Vertueux pour la cohérence du système dans son ensemble et la protection des migrants.
Le groupe de la Mutualité votera bien évidemment le projet d'avis. Merci. Merci, Monsieur Andrec. Enfin, dernier orateur inscrit au titre de l'artisanat, la parole est à Madame Catherine Fouché. Mesdames, Messieurs, au cours des derniers mois, l'Europe a été confrontée à l'arrivée massive de réfugiés, principalement syriens, fuyant la guerre civile qui s'enracine dans leur pays. Les États membres ont fini par s'entendre pour répondre à l'urgence humanitaire de la situation. Mais cette crise a aussi permis de révéler la nécessité de définir sur les questions migratoires une stratégie européenne qui soit en adéquation avec les nouvelles réalités du contexte international. En effet, la multiplication des zones de conflit au Proche-Orient comme en Afrique laisse présager une poursuite des exodes de populations pour raisons politiques et humanitaires, et l'Europe doit être en mesure de prendre sa part dans l'accueil de ces réfugiés. Les questions migratoires suscitent de nombreuses craintes au sein de l'opinion publique. Aussi, il est important d'aborder le sujet avec le plus d'objectivité possible en s'appuyant sur les données chiffrées issues d'instances reconnues. Concernant la France, ces études permettent de combattre un certain nombre d'idées reçues. Ainsi, l'immigration affiche une globale stabilité depuis 30 ans. Et comme dans les autres États membres, ce sont des ressortissants de l'Union européenne qui constituent la majorité du flux étranger. De plus, la France connaît moins de flux migratoires que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Ce constat ne doit cependant pas occulter certaines difficultés liées notamment à la gestion de l'immigration clandestine ou encore à l'intégration des personnes étrangères sur le marché du travail. En outre, dans un contexte de difficultés économiques et sociales, le coût budgétaire que représente l'accueil des réfugiés peut légitimement susciter des inquiétudes. Or, là encore, il est important de souligner que toutes les études s'accordent pour démontrer que l'arrivée des migrants représente à terme une valeur ajoutée pour le territoire d'accueil. En effet, la majorité d'entre eux étant en âge de travailler, ils peuvent répondre à des besoins de main-d'œuvre non satisfaits sur des postes qualifiés dans le strict respect du Code du travail. Pour l'Europe, qui sera de plus en plus confrontée au vieillissement de sa population, les flux migratoires peuvent donc représenter une opportunité. À cet égard, il serait utile d'affiner l'analyse des besoins en compétences de l'Union à court et moyen terme. La réussite de l'accueil de réfugiés en Europe et son acceptation par l'opinion publique exigent par ailleurs de gérer ce phénomène selon des règles communautaires à la fois claires et adaptées au nouveau contexte international. Il faut en effet répondre au double défi d'ouverture de l'Union et de sécurité à ses frontières extérieures, ce qui implique à la fois un engagement de responsabilité de chaque État membre, mais aussi un engagement de solidarité à l'égard de ceux qui voient affluer des réfugiés sur leur territoire. Cela doit conduire à actualiser le corpus législatif et les outils européens pour notamment harmoniser les règles applicables en matière d'asile, mais aussi à renforcer la protection des frontières de l'espace Schengen grâce à une meilleure coordination et mutualisation des moyens et une lutte résolue contre les réseaux criminels de passeurs. Enfin, cela suppose de combattre fermement l'immigration illégale et donc de s'attaquer aux effets pervers de certaines procédures qui y contribue. Cet avis présente le mérite d'aborder avec lucidité et réalisme la question des migrations internationales. Le groupe de l'artisanat le votera. Merci, Madame Fouché. L'ensemble des groupes s'étant exprimés et constatant qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je déclare donc le scrutin ouvert. Y a-t-il encore quelqu'un qui demande à voter ?
Est-ce que quelqu'un demande encore à voter ? Pardon, excusez-moi. Donc on va attendre. Mesdames et messieurs, c'est non sans émotion et gravité que ce scrutin va vous être présenté, parce qu'en réalité, il y a 182 pour, 0 contre, 0 abstention. J'ai cru au niveau des différentes interventions que je crois que nous pouvons dédier ce magnifique résultat à Isabelle, là où elle est en train de se battre pour retrouver une santé fragile, mais ça va beaucoup mieux. Et son courage et sa détermination sont en train de lui faire franchir des étapes de reconquête de sa santé de façon assez spectaculaire. De saluer Marion Thomas, Gérard Chamignon, je pense que président... Vous voulez vous exprimer ? Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, ce vote. La parole est au président Verrier. Monsieur le Président et chers collègues, très vite, au début de notre mandature, j'ai suggéré que nous travaillions sur le sujet des migrations. Pourquoi ? Plusieurs d'entre vous l'ont mentionné. Parce que, de façon récurrente, cette question revient dans le débat politique. Mais très souvent, uniquement agitée dans un sens ou l'autre, lors des périodes de campagne électorale, ou bien comme fonds de commerce de certaines organisations éloignées du principe universel des droits de l'homme. Et de fait, ces questions sont alors déformées et exploitées à d'autres fins que ce qu'elles recouvrent. Je connais bien, vous le savez, les dispositions des conventions de l'Organisation internationale du travail. L'une d'elles, citée dans l'avis, la Convention 97, oblige les États parties à, je la cite, « prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration ». Mon organisation, Force ouvrière, régulièrement rappelle au gouvernement dans notre pays, aujourd'hui comme hier, cette obligation au moment des campagnes électorales, alors que fleurissent justement nombre de contre-vérités. Cet avis, vous l'avez tous également souligné, a ce premier objectif, et j'espère cette première vertu, rétablir les réalités, informer clairement sur les enjeux immédiats et à plus long terme, expliquer ce que nous méconnaissons souvent, que des politiques ont été adoptées au niveau international et européen en la matière et demandent d'abord à être mises en œuvre effectivement. La convention de l'OIT dont je viens de parler a été adoptée, le savez-vous, en 1949, ratifiée en 1954 par la France. Enfin, ne jamais oublier, et là aussi, vous l'avez tous souligné, que nous parlons d'hommes, de femmes et d'enfants, et que nous sommes le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suis très heureux que nous ayons pu mener à bien ce travail, engagé il y a un peu plus de 3 ans. Puisque c'est sans doute la dernière occasion pour moi, je suis très heureux également, même si c'est le fait d'un concours de circonstances, qu'il arrive à son aboutissement aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, mais également comme conclusion de notre mandature. Je suis, de ce point de vue, assez content du bilan de notre section. Du climat et de l'environnement, vu vis-à-vis de la gouvernance internationale et de l'action de la France, aux migrations, en passant par les questions européennes, mais également la gouvernance d'Internet, la coopération et le développement, et aussi ce qu'on appelle la diplomatie économique, avec les PME et le commerce international, mais aussi le rôle du droit continental, je crois que nous avons amplement justifié l'importance de préserver une section qui se consacre à ces enjeux. Ce n'était pas acquis lors de nos débats au début de notre mandature. J'ose espérer
qu'à l'instar du bilan général de cette mandature, pour le CESE dans son ensemble, celui de la section des affaires européennes et internationales suscitera non des appétits, mais une ambition. Merci à toutes et à tous, à nos conseillers, nos personnalités associées, à nos administratrices, Isabelle Bach, à nos secrétaires et à nos stagiaires. J'ai été très honoré et très fier de présider à nos travaux. Merci, Monsieur Verrière. Avant de lever la séance, je pense qu'on mesure chacun le poids du message que nous adresserons au président de la Commission européenne demain. Monsieur le sénateur, je suis convaincu que c'est aussi un sujet sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, ainsi que monsieur le représentant du forum et vous-même au titre du haut commissaire aux réfugiés. Je voudrais dire que demain, donc, la séance démarrera exceptionnellement à 9h30, ici, pour entendre le président de la Commission européenne. Je rappelle donc que vos questions ont été portées à sa connaissance. Il y répondra par écrit. Il délivrera un discours. Ensuite, la séance reprendra à 14h30 avec les communications du bureau, les forces vives au féminin. Comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux? Il n'y a pas d'amendement déposé sur l'avis de M. Guillaume de Russet. Et avant de lever la séance, je voudrais simplement vous dire que nous allons tous nous retrouver pour prendre la photo de fin de mandature. Je vous invite donc en vous félicitant à nouveau et en adressant à M. Olivier Kirsch, dont on n'a pas non plus souligné qu'il avait connu aussi des moments de fragilité de santé, et que si sa santé s'était un peu affaiblie, sa détermination est toujours restée la même pour mener à bien un projet qui apparaissait plus difficile à réaliser qu'à réussir. Et je crois que sur un sujet compliqué, ça veut dire que quand on échappe à des postures politiciennes, à des calculs électoraux, le Conseil économique peut être un lieu de la sagesse républicaine où l'ensemble des forces vives, dans leurs différences, dans leur diversité, savent se réunir sur l'essentiel et non pas sur le superflu, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine. La séance est levée et nous allons aller...